va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, quelle équipe ? Caroline Diamant. Oh, oh, qu'elle est belle. Christophe Beaugrand. Bonjour, oh, quelle est belle. Jérémy Michalak. Elle est mignonne. François Renucci. Elle a pris un coup. Hein. Moustapha El Atrassi. Il est très beau. Merci beaucoup. Et Pierre Bénichou. Bravo. Oh, je craque. Merci. Tiens Pierre, il paraît que vous êtes ronchon aujourd'hui. C'est Marcel qui m'envoie un mail pour me dire que sa sœur vous a croisé ce matin à bord de votre voiture qui serait en mauvais état. C'est vrai ça ? Pas du tout, elle est toute neuve. Je ah oui, passe carrément. La tête, je passe la tête par, ma, par mon... Ça a l'air clair ça. Vous allez arrêter, vous comprenez. On est à l'antenne Pierre, hein. Non, ça a commencé. Vous vous rendez pas compte à qui vous parlez, bande de petits cons. Bon, par où tu passes la tête ? Je passe la tête par mon carreau pour voir si ma voiture est bien là. Ouais. Je sais pas comment j'ai eu cette idée, puis c'était neuve. Moins deux. Mais t'étais dans la voiture. Mais non, par ils le carreau avaient de sa déjà, fenêtre, ils avaient déjà mis la bagnole pour l'enlever. Ah, ah tu t'es alors fait enlever ta voiture. Je suis descendu. En pyjavesse. Mais laissez-moi finir ma phrase. Tu t'es fait enlever c'est ta vrai. Voiture. Non mais sincèrement. Vous êtes tellement pressé qu'il faut aller au fait. Non mais sérieusement. Non, pour une fois qu'il parle. Il a raison. Pour une fois qu'il parle. Pierre, laissez-moi, je voudrais connaître l'histoire, moi. Ben, l'histoire est terminée. Alors, pas me prendre pour un con. Je laisse ma voiture devant chez moi, alors que j'ai un parking dans mon immeuble. Mais par flemme, je voulais pas rentrer le matin, ressortir. J'ai dit, comme je m'en vais bonheur, je m'en vais bonheur demain. Je vais la laisser là. Et comme ça commence à 9h, les conneries. À 9h moins 2, je mets la tête à la fenêtre. Ça y est, t'as compris, tu me vois ? Ah, oui, j'ai tout compris. La tête de chez vous, pas de la voiture. Qu'est-ce que je vois ? Un maghrébin, très sympathique. Fais gaffe à la suite de ton histoire, c'est pas Pierre. Possible. Qui était à la tête d'une voiture grue. D'une voiture grue ? Ça s'appelle une voiture grue. Ceux qui enlèvent les voitures, c'est ah bon une voiture grue. Ah ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Disneyland où tu travailles. Ici, on dit une voiture grue. J'avais mon avant. Cher public, je vous retrouve enfin. Il se tourne vers le on public. La oui. Il est en forme. J'avais mon avant complètement rehaussé. Je descends, je dis au type, écoutez, je suis là. 126. Je dis quoi ? 126 euros, vous payez maintenant. Ah oui, l'accent et tout. Ouais. Pour le faire chier, je dis, vous prenez la carte bleue. Pourquoi t'as précisé maghrébin, en fait ? J'avais jamais remarqué à quel point tu étais laid. Ça, c'est énorme. Alors là... Non, c'est pas vrai. L'argument niveau, ultime. Le niveau là est là. Et là, je te réponds caca boudin, moi. Voilà. Et c'est celui qui dit. Alors qu'il est très séduisant et très beau, notre Moustapha. Non, oui. il plaît. Oui, il plaît. Bah oui, il plaît. Et alors, là, mais il a une jolie petite. Bon, il l'a embarqué ou pas, votre voiture, alors ? Je m'en fous, ça vous intéresse pas. Moi, je veux savoir, parce que sinon, je veux bien les 126 euros. Vous avez payé en liquide, j'imagine. Vous avez il a rien payé. Non, j'ai fait. Vous aviez fait une télé hier, vous aviez encore de l'argent sur vous. Non, moi, je ne suis pas de ceux qu'on paye en liquide comme certains. Donc, j'ai donné un chèque. D'ailleurs, je vais vous montrer le talon. Alors, donc, j'ai payé le mec, et il me dit, alors, je dis, ça y est, vous m'enlevez ça. Ah, je peux pas l'encaisser, moi. Il faut que ce soit un agent de la préfecture qui vienne. Alors, ils vont venir. J'ai dit, mais combien de temps ils mettent? Pas longtemps, 5-10 minutes. Et vas-y, et attends. Et je suis toujours surélevé. Parce qu'il n'a pas le droit d'en mettre. Ah oui, toujours, oui. Pierre, oui. Vous savez que vos voitures, ça nous intéresse évidemment, vos problèmes de garage. Parce que justement. Ça nous aura fait 10 minutes. Hein. Sur route, elle est un peu légère. Mais dans Paris, un vélo. Hein. Mais j'ai des auditeurs qui patientent au téléphone. Oui, Christian, oui, par exemple, qui quand même voudrait rectifier une information erronée qu'on a donnée hier à l'antenne. Bonjour, Christian. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs, puis au public également. À propos des frères Spanghero, hier, il est temps de rectifier qu'ils n'ont rien à voir avec l'histoire de Findus et de la viande de cheval. Oui, non mais tout à fait, c'est parce que hier, j'écoutais l'émission, et puis bon, j'ai entendu beaucoup parler d'un rugbyman que j'adorais, qui s'appelle Walter Spanghero, mais la société s'appelle toujours Spanghero, mais je voulais quand même rectifier un petit peu, parce que la famille Spanghero, qui était donc la famille du rugbyman, oui. Elle a vendu toute la partie, agroalimentaire, à une coopérative il y a 4 ans. Et voilà. Ah bon, d'accord, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien à voir. C'est une firme qui porte leur nom
et qui a été vendu. Ce n'est, ce n'est pas des Spanghero qui viennent de Roubaix, qui n'ont rien à voir avec les Spanghero du Sud-Ouest. Non, mais ils sont plus propriétaires. Ils n'ont rien à voir avec le problème du cheval. C'est ça que veut dire, monsieur. Ils n'ont plus rien à voir. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on vend une société, très souvent, on vend les murs, les machines, etc. Et on vend également le nom de la société. Mais voilà. Par contre, au niveau du rugbyman de Walter Spanghero, donc puisqu'il s'agissait de lui, là, lui, par contre, il n'est pas du tout impliqué dans cette affaire-là. En revanche, c'est lui qui dirige maintenant les fourrières à Paris, pareil. monsieur, je trouve qu'il aurait été plus sage et plus normal de dire « Je vous signale que les Spanghero ont vendu ». Voilà. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Non, pas, ils n'ont rien à voir. Oh là là. J'ai Corinne qui me dit, il est bien. Moi, j'adore Monsieur Bénichou, elle dit Corinne. Il est absolument insupportable, comme beaucoup de ces personnes qui sont tendres, sentimentales parfois. Oh. Certes un peu cyniques, mais des bons gros ours tout doux. Mais c'est un nounours. Qui respire la douceur dans l'intimité. Il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Hein. C'est vrai, il m'a réclamé un bisou tout à l'heure. Voilà, bise à tous, c'est mais surtout bisounours. Sur le front. Un énorme à Monsieur Bénichou. Il me rappelle chez moi quand il veut, c'est Corinne. Je vous donne son mail. Eh ben, non. Mine de rien, j'emballe. C'est dommage que t'aies plus de bagnole pour aller la voir, mais bon. Les éléments qui font douter sur la démission du pape, c'est Estelle qui m'envoie ce mail. Sa lettre de démission a-t-elle été acceptée et par qui ? 17 jours, c'est très court comme préavis pour un CDI. A-t-il conclu un accord signé avec son patron ? Comment se calcule la retraite du pape ? Personne ne sait. Le dernier qui a démissionné, quand même, ça date d'il y a un moment. La retraite n'existait pas. Garde-t-il une assurance maladie ? A-t-il signé une clause de confidentialité ? En effet, peut-il sortir un bouquin dans un mois pour nous raconter tout ce qui se passait au Vatican. Voilà, autant de questions, c'est vrai qu'on se pose pas, puisque c'est la première fois que ce cas arrive, la démission d'un pape. Peut-être qu'il sera dans les anges de la télé-réalité, il y a peut-être un truc à faire. À mon avis, j'ai reçu la candidature il n'y a pas 24 heures. À mon avis, il va faire splash. Vous avez été surpris. Si vous permettez. Oui, monsieur Pierre. Il s'est passé deux choses hier importantes. Ah. Une chose à la française. Ah, ils ont mis du cheval dans le bœuf, comme on va faire avec les lasagnes fendues et tout ça. Et Spanghero, bon, il n'y est plus, lui. Alors, bon. Voilà ce à quoi la France s'intéressait. Et tout d'un coup, quand même, l'événement spirituel le plus important depuis 1432, le pape démissionne. Même si on n'est pas ni croyant, ni chrétien, ni tout ça, c'est quand même le vicaire de Christ. C'est quand même l'homme de foi le plus important au monde. Bon, il démissionne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour sa retraite ? Alors, lui, est-ce qu'il aura les points ? Mais écoutez, arrêtez ! Élevons-nous un peu ! Vous postulez, Pierre ? Non, je peux pas le prendre. Un peu de respect. Alexandra m'écrit un petit mot pour féliciter Joujou des qualités de juré dont il a fait preuve samedi soir lors du Prime, dont ne demande qu'à en rire. Ah, le jour où j'ai été violé, vous voulez dire ? Beaucoup de finesse et de justesse dans ses commentaires. Cela faisait plaisir à voir. Quelle élégance, quelle classe. C'est qu'il vous volerait presque la vedette, monsieur Ruquier. Alexandra a été séduite par votre tenue, cher Pour une Joujou. Fois que c'est une fille, ça change. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Eric m'écrit « Bonjour Laurent, mon fils Thomas va faire sa première communion en mai 2013. Pourriez-vous demander à Joujou où il a trouvé son costume et sa cravate de samedi. Ah non, mais je t'ai trouvé très chic. Moi, j'ai regardé. Il était beau gosse. Je me suis dit, il est quand même pas mal. T'étais cramé bronzage, mais t'étais beau gosse. Mais où j'étais samedi ? On vous l'a déjà dit, le prime dont ne demande qu'à en rire. Vous n'avez pas regardé, Pierre, samedi soir. J'ai regardé The Voice. Je serai dans le public ce mardi 12 février, me dit Cédric. Pour la première fois, je viens vous voir. Je ne suis pas drôle, mais j'aime bien Mustapha. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais j'aime bien François Renucci. Je ne suis pas nain, mais j'aime bien Joujou. Je ne suis pas gay, mais j'aime bien Christophe Juc-Beaugrand. Je ne suis pas sourd, mais j'aime bien Pierre Bénichou. Je ne suis pas aveugle, mais j'aime bien Caroline Diamant. Il est drôle, ce monsieur. Un bisou de la part de Caroline serait comme un baptême de vos émissions pour moi. Est-ce possible, Caroline ? Il est là-bas, Cédric. Il est où, le monsieur derrière. Il est là. Ce qui serait bien, c'est sur la bouche, quand même, parce que c'est ce qui se fait en ce moment. On n'embrasse personne sur la bouche. Même pas ton mari. Même si on fait, il se respecte. Ah, regarde, il arrive, il se lève, il se déplace. Hein. Bah oui. Élémentaire, mon cher Balois, ça doit être pour vous, beau grand malin. Élémentaire, mon cher Balou, nous c'est super, on partage tout. Ah bon, on repart pour le Duc. Ah ben, je sais pas, moi, grand, vous me dites élémentaire, mon cher Balou, moi je démarre, c'est Douchka. J'ai François au téléphone qui réclame d'ailleurs une chanson. Bonjour François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez comme chanson alors pour Beaugrand ? J'aimerais bien que M. Beaugrand chante le générique de Cœur. De quoi ? Cœur. Le dessin animé Cœur. C'est quoi, je connais pas Cœur, moi. C'est comment ça, monsieur ? Ah bah, chantez-le alors. Vous voulez que vous le chante ? Ah bah oui, allez-y.
Cœur, ça veut dire aimer. Cœur, ça veut dire rêver. Ah, oui. Cœur, d'un petit garçon. Oh. Avec la vie. Bravo. Ah, ça, mais ça passait où ce feuilleton, monsieur? Dans sa tête. Bah, je n'ai pas encore né quand c'est passé, mais. Ah oui, on t'a raconté que ça existait. On vivait dans un monde parallèle, en fait. Tu veux, c'est dans ça. Le public, il n'y a personne qui connaît ce truc-là. On a trouvé pire que Beaugrand. Il connaît des trucs qui n'ont jamais été diffusés. Monsieur, vous ne voulez pas faire splash? Ah, je veux bien une doublure, moi. Merci quand même d'avoir appelé et trouvé les chansons les plus improbables. Pourquoi pas? Par exemple, j'ai Léa qui me dit. Peut-il chanter Beaugrand Princesse Starla? Je connais Sarah, pas Sarah. Starla. Starla, mais, Princesse Starla. Ouais, c'est Princesse Starla, elle est joyaux magique, mais je sais plus exactement ce que c'est. C'est différent de Princesse Sarah, c'est encore autre chose. Ah, Princesse Sarah, c'est une pauvre fille qui fait le ménage, et Princesse Starla, c'est une espèce de super-héroïne qui vole, qui a des ailes et qui clignote, elle est trop belle. J'ai Pif aussi qui me demande le générique de Minus et Cortex. Bon, j'ai que des trucs que je connais pas, alors là, c'est pas mon jour. C'est marrant, hein. Tu crois qu'il aurait eu un choc en tombant dans l'eau? Non, même pas. Bah, peut-être que c'est ça. Il se serait lavé de tous ces parasites qu'il a dans son cerveau et qui lui font rappeler Warren l'abeille. Sincèrement. Comment tu l'appelles? Quoi? Comment tu l'as appelé? Ramaya l'abeille. C'est la version robot de Maya l'abeille. Ramaya l'abeille. Elle est très bien. C'est une jolie petite abeille qui vole très bien. Très jolie l'abeille. C'est pas marrant de me rappeler mes origines de façon si ignoble. Je suis très étonné du fait que personne n'ait encore demandé à Christophe Beaugrand, me dit Jérémy de Genève, de chanter Lady Oscar. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. C'est une autobiographie. C'était magnifique. Aurélien demande la chanson Maldon des Zouk Machine. Ah bah, faut que je chante. C'est du créole. Allez-y. On va se marrer là. Ok, alors. En entier, hein. Oui, c'est ça. La version. Quelle-moi c'est ça, Teddy Maldon. Ah, bastel moine. Oh, t'es fait cicaté qu'à continuer. Attit, et à tes bouts. Ya, 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 ya. Gassa, anissier, bobo. Tiens, on a fait le tour des Antilles en Baptiste. Quel voyager là. Baptiste réclame les sardines de Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chantez sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chantez sardines au milieu des aromates. Audrey réclame en hommage à Claire des L5 qui n'a pas été sélectionnée dans The Voice. C'est terrible pour elle. La pauvre. Une chanson des L5, soit une étincelle ou question de survie. Une étincelle, aller vers elle, ouvrir ses ailes, fermer les yeux. Je peux t'en faire plein d'autres. 911 Brutal réclame la chanson de Maggie. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. Sarah me demande, j'ai des doutes de Sarah Mandiano. J'ai des doutes en ce qui concerne les insectes. J'ai des doutes, j'ai la sensation qu'ils nous guettent. J'ai besoin d'amour de Laurie pour Julie. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. J'en veux tous les jours, je suis comme ça. Marc me demande Oum le dauphin. Il s'appelle Oum le dauphin dans son royaume aquatique. Magnifique chanson de Michel Legrand. Ah oui? Oui, Michel Legrand qui a fait la pub de Oum le dauphin. Et Aglaé et Sidonie. À tous les enfants qui sont devenus grands, je vais le dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Christophe Plantevin. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Christophe Plantevin. Oh non. C'est l'air d'être une version très personnelle de la chanson là. Aglaé et Sidonie, pardon. Christophe Beaugrand, oui. Imbattable sur les chansons ridicules, c'est me vrai, dit Christophe Plantevin. Saurait-il chanter du rock'n'roll? Il me ferait un énorme plaisir en entonnant Antisocial de Trust. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Ah bah oui, c'est faire ça aussi quand c'est même. C'est tout faire. Est-ce que monsieur Christophe Beaugrand, me demande Justine, pourrait chanter
chanter la trompette. Ah. Mais alors non, ça la trompette, je n'oserais pas, je ne touche pas. Et pourquoi pas faire un duo avec Monsieur Bénichou ? Ce serait le rêve ultime. Je ne touche pas à la trompette de Pierre. Ah oui. C'est enfin, plus personne n'y touche. Non, moi je pense qu'il faudrait réclamer à Pierre, Pierre la trompette. Pierre, est-ce que vous accepteriez un duo avec Christophe sur la trompette? Sûrement pas. Je refuse l'augmentation qui m'était proposée. Je préfère le départ de mon grand. Non, mais c'est pas possible, mais on se rend ridicule partout dans le monde entier. Ah oui? J'ai Bordy sur Europe 1 pour nous rattraper un peu, ce sera de meilleure qualité. People, oh. Help the people, oh, un extrait de son premier album à Bordy. C'est pas gentil. Bordy, c'est Bordy ou Bordy? Ou c'est une copine? Bordy? Bordy the people. Non, mais on l'a là, on a la vraie. Hein. On a la vraie chanson, je préfère. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? On va commencer par Christophe Beaugrand, puisqu'il est assis à la place de Titoff, le gagnant d'hier. Contre qui le Paris Saint-Germain va-t-il jouer ce soir en Ligue des Champions, huitième de finale? Allez, quel club? J'en sais rien, moi. L'OM. Ah non, c'est pas là, c'est la semaine prochaine. Lyon, alors. Mais non, Valence. Je n'ai aucune idée. Ah oui, Ligue des Champions, c'est pas la France. Franchement, Beaugrand, je m'en fous totalement du foot. Quel pape a démissionné en 1294? Vas-y, Mustapha. À moi là. Oui, c'est à vous. Vous avez pas dit mon nom. Mustapha El Atrassi. Bien sûr. On en parle depuis. Posez-la tranquillement votre question. Au moins son prénom. Vous voyez, je vous demande pas le chiffre. Au moins son prénom. Jean-Louis. Non, Célestin V. Célestin V. On ne fait que le dire depuis hier, Mustapha. Son deuxième prénom, c'est Jean-Louis. Alors, François Renucci, évidemment. vous savez que le pape qui démissionne s'appelle Benoît XVI, mais quel est son vrai nom allemand? Oh, facile. Bah, Ratzinger. Bonne réponse. Joseph Ratzinger. De François Renucci. Je suis Joseph Ratzinger. Quelle statue de 2,03 m peut-on voir dans toute la presse ce matin? Teddy Riner au musée Grévin. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Pierre Bénichou, oui, oui. Non, pas ça. Alors, pourquoi ça... t'as choisi une? Non, bah, soyez. Alors là, écoutez, oui. Si vous voulez que je les pose. Non. Ah, parce que alors là, je suis plutôt sympa. Hein. C'est vous qui voyez. Je supprime les Francofolies de La Rochelle et Mado la Niçoise. Je suis pas sûr que vous auriez répondu. Hein. Mado la Niçoise, je n'aurais pas répondu. J'étais là l'autre jour. Ah, oui, c'est vrai, on a fait connaissance. Je suis même le seul qui sait qu'elle a de jolies jambes. Oui, alors. Parce que moi, je regarde les gonzesses. Tu vois ce que je veux dire? Pierre. Je suis pas de la qui flotte, moi. Oui, alors vas-y. Pierre Bénichou, à propos des plats cuisinés Findus qui font l'objet d'une polémique, on a finalement découvert que le ministre de la Consommation, c'était... Ah bah oui, c'était fourvoyé. Il est connu en plus. Comment s'appelle le ministre de la Consommation? On le voit que lui depuis hier. On avait oublié qu'il était ministre, mais il est connu. C'est très facile. Pierre Bénichou, Benoît Hamon. Bah oui. Benoît Hamon, vous êtes éliminé. Benoît Hamon, c'était une des vedettes du Parti Socialiste. Ben oui, mais il est ministre de la Consommation. Ministre de la Consommation. Caroline Diamant. Remettez-nous ça, on peut lui dire. Caroline Diamant. Oh non. Remettez-nous ça, ministre de la Consommation. Ouais. Remettez-nous ça, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Caroline Diamant, aujourd'hui, c'est une nouvelle grève nationale des enseignants. Plus précisément, des enseignants. Des instituteurs. Oui, des instituteurs. Ah, bonne réponse de Caroline. Ouais. J'aurais dit des professeurs d'école. Comment on dit Professeurs d'école. Christophe Beaugrand est éliminé. Oui, si vous voulez. Mustapha est éliminé. Les meilleurs. C'est donc un match Renucci, Caroline Diamant, Jérémy Michalak. Ah oui. Attention, François Renucci. On reparle évidemment beaucoup de la Tunisie depuis plusieurs jours. Moyen. Mais est-ce que vous vous rappelez du nom de la révolution qui avait fait tomber Ben Ali il y a 2 ans? Attendez, le printemps arabe, c'était les œillets? Non, c'est une fleur, c'est pas les œillets. La révolution du jasmin. Vous êtes éliminé. Ah ben, je l'avais en plus. Ah, les œillets, enfin. Je l'avais. Ah, dit œillets. La révolution des œillets, c'est au Portugal, mon petit gars. Voilà. Ouais, je me suis trompé de fleur. Et les pétunias? Jérémy Michalak, quel est le nom du vainqueur du rallye de Suède qui s'adjuge au passage la 8e victoire de sa carrière? C'est toujours les autres questions. Je crois que je vais lever les bras. Je sais pas, Sébastien Loeb. Non, c'était l'autre, Sébastien Augier. Ah, dommage. Pas de chance pour une fois. Bravo, Caro. Caroline Diamant est la gagnante. Bravo.
Mais tu montes encore dans le classement là. Regardez, Caroline. Oh, ce que, vous que c'est joli, une petite pochette avec des petites étoiles en strass. Et alors, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas magnifique, regardez. Ouh là là, dis donc. Il y a 10 disques, mais c'est le même. Il y a 10 disques, mais c'est 10 fois le même. C'est quoi, c'est quoi c'est un mec qui est fou, qui est. Mais généreux. Non, il est sûrement sympathique, mais il est en café-concert au théâtre Clavel. Alors, je le dis à ce monsieur, ne faites jamais ça. Ça coûte cher. Hein, CD. Il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 7 CD. Surtout pour que ça termine chez Caroline Diamant. Mais comment il s'appelle à vous. Oui, mais donc, aucun d'entre nous ne l'écoutera de toute façon. C'est quand même terrible. C'est vrai que tu n'as pas ouvert un seul, ils sont tous sous plastique encore. C'est quand même fou ça. Enfin, ça permet de signaler qu'il est au théâtre. Pour le distribuer, je vais le. On n'a pas dit son nom. Regarde s'ils sont réinscriptibles. C'est Tom Why ou Tom Way ou Tom V. Et le nom de son album ça s'appelle Viens. Viens. Et il est au théâtre Clavel tous les dimanches. Ah, il y a une chanson qui s'appelle Non, rien de rien. Ah, bah c'est pas mal, c'est original. Ça n'a jamais été fait. Il y a une chanson qui s'appelle Comme d'habitude. Non, mais c'est pas. Ah bon enfin, Comme d'hab. Ça n'a rien à voir. Et il y a la bobo. Il y en a une autre, il a changé le titre, il l'appelait La maman. Il n'a pas voulu mettre la mère. J'ai aussi pour vous, regardez, Caroline, La Georgette, le couvert original. La Georgette, la fourchette. Ah oui, enfin. Regardez, la fourchette-cuillère. Oh, la chance. Ça va faire classe pour vos repas chez vous, Caroline. Ouais, maintenant, surtout, on peut manger. Il y en aura qu'une, on va tous se battre. Je suis tellement déçu d'avoir perdu. On est tous déçus. Tu me la donnes, la Georgette ? Alors, je te la donne et sans te la planter. Patrick Mahé, je crois qu'il était rédacteur en chef de Paris Match pendant un temps. Et Télé 7 Jeux. Et peut-être même de Télé 7 Jours ou Télé 7 Jeux. Les oies sauvages mortes à Mexico. C'est son dernier roman publié chez Fayard. Un requiem pour les Saint-Patrick. Ça se passe en 1846. Ils sont Irlandais, il s'appelle John O'Reilly, Francis O'Connor, Patrick Dalton. Ils ont fui la grande famine irlandaise. Ils ont traversé l'Atlantique à bord de bateaux cercueils. Et l'Amérique les accueille. C'est le roman de Patrick Mahé, Les oies sauvages mortes à Mexico. Vous lisez, vous nous dites ce que vous en pensez, Caroline. Oui, parce que nous, on le fera pas. T'as vu qu'il t'a placé des noms irlandais pour te chanter les lacs du Connemara, ni vu ni connu, Bougon. Brûler au vent des landes de pierre autour des lacs. Mais faites-le taire. Pierre, je vous autorise à le frapper. Oui, s'il vous plaît. Pierre, vous pouvez le frapper. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On dirait une croisière qu'on sait à Concordia. Je suis. Après nos phrases. Là, t'es en train de briller comme bateau couille. Oui, c'est ça. Foncez vers le rocher. Je suis très malheureux parce que c'est nul, c'est mal chanté. Des chansons qui font chier tout le monde. Et en même temps, je me dis que je suis un peu responsable. Car ne l'oubliez pas. C'est moi qui fais de cette émission une émission musicale. C'est vrai. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, François Renucci, Christophe Beaugrand et Pierre Bénichoux. C'est l'équipe du jour qui va affronter Stéphanie et Jérôme. Salut Stéphanie, salut Jérôme. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Oh, Stéphanie a une jolie voix. J'aime belge, mais une jolie voix tout de même. C'est agréable. Ouais, c'est possible. Non, mais elle a une voix un peu cassée. C'est vous êtes à Bruxelles, c'est bien ça, Stéphanie ? Oui, dans la banlieue bruxelloise maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Belgique ? Vous êtes belge vous-même ? Ah, je suis belge moi-même. Je suis mariée à un Français, mais je suis belge. Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie ? Alors, je suis assistante sociale en psychiatrie. Très bien. Mais je D'habitude, je dis toujours comme moi, mais il y en a un peu marre de toujours les mêmes blagues. Voilà. Et donc, je suis actuellement écartée parce que je suis enceinte. Oh. Et comme je travaille dans un service relativement violent, eh bien, j'écoute Laurent Ruquier. Et ça vous apaise. Exactement. Et ça s'entend à votre voix, Stéphanie. Laurent, j'ai une petite question. Je vous en prie, Stéphanie. Ça rend mon fils dingue. J'aimerais chanter un duo avec Pierre Bénichoux. Ah. Il y a Beaugrand qui est dispo, sinon. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Oui, mais Beaugrand, je peux chanter Schnappi Schnapp, mais c'est moins trippant. Ah oui, c'est quoi Schnappi Schnapp? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Il connaît toutes les langues. C'est l'histoire d'un petit crocodile allemand. J'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez chanter avec Pierre? Alors, je vais commencer les premières notes, à mon avis. Pierre va me rejoindre. Il connaît bien la chanson, je crois. Alors c'est parti. Vas-y, Pierre. C'est Jacques Ellion et son orchestre. Il est au Brésil, une ville, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile. Il est paumé, là. Et qu'on nomme Curitiba. Monsieur le consul à Curitiba, il a une maison avec véranda. Mais quel venin a cet animal-là d'habiter ce pays-là. Et pendant la guerre.
Ah, c'est la version radio de N'oubliez pas les paroles, ouais. Ici. Hein. Ou les défaites de la musique. Vous en voulez une autre? Ah oui, Pierre. Ouais. Laquelle? Dis-moi. Vous pouvez le demander à nous. Bah, je sais pas, moi, salade de fruits. Ouais, bah, Stéphanie. Non, ça, faut pas me piquer mes choses. On va te filer une portable de Pierre, vous le ferez en tête, ça. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Il faudra bien qu'un jour on se marie. Oh bah là. Bravo. Bon bah je crois qu'on a fait la totale. Il est temps d'aller. Non. Encore des chansons. Il est temps d'aller du côté de Jérôme. J'ai mangé un risotto hier soir. Pardon. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'ai mangé un risotto hier soir. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié de vous demander. Détail important. Un risotto belge, c'est comment? Non, un risotto avec des cèpes et des petites lamelles de bacon. J'adore ça, le risotto. Mais où ça, c'est du fondus? Non, c'est pas du fin du. Parce que faites attention, parce que le bacon est du bacon de cheval. Hein. Jérôme est à Biarritz. Quel temps fait-il sur la côte basque? Il fait très très beau. C'est vrai? Ouais. Il fait très beau. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, il fait très beau. Chanceux allez, que vous êtes. C'est faux. Enfoiré. Alors, quel métier vous faites, vous, Jérôme? Alors, je suis à la recherche d'un emploi dans le tourisme, l'événementiel ou la communication. Oh, écoutez, dans le tourisme du côté de Biarritz, ça devrait se trouver quand même. Ouais. Si quelqu'un a quelque chose pour moi, j'ai un site, hein, geko-animation.com. Ben, il faut mieux avoir du courage qu'avoir un site. Hein, tout. Et voilà, alors, votre petite soirée d'hier, Jérôme, vous avez fait quoi? Alors, j'ai regardé en replay, on me demande qu'en rire de samedi soir, puisque j'ai pas eu l'occasion de le regarder. Ah, merci pour l'audience. Les replays ne sont pas comptabilisés. Non. Hey. Aïe. En tout cas, de voir le baiser entre Monsieur Ruquier et Jérémy, c'était un vrai plaisir. C'était érotique, c'était un grand moment érotique. Un vrai plaisir partagé. Sensualité. Il n'a pas dit non, Il n'a pas dit oui non plus. Il n'a pas eu le choix tellement. Et vous avez mangé quoi, Jérôme? Alors, je suis en période de régime, j'ai mangé du brocoli avec du poulet à la basquaise. Ah, du brocoli devant Jérémy, c'est bien. Vous dites du poulet à la basquaise, il a la télé, tout ça, il se plaint encore. Stéphanie, Jérôme, on va vous offrir peut-être. Peut-être un week-end de rêve dans un des plus sublimes hôtels que nous avons la chance de proposer à nos auditeurs. La Cour des Loges à Lyon, c'est dans le vieux Lyon, vous savez, je vous en ai déjà parlé, le fameux quartier où on peut admirer les traboules. Oui. L'hôtel mêle style renaissance italienne et art contemporain. Et Europe 1 est heureux de vous y inviter, non seulement dans l'hôtel, mais aussi au restaurant de l'hôtel, table étoilée Michelin, réputée et tenue par Anthony Bonnet. Stéphanie, Jérôme, voici la question qui va vous départager. On voit dans la presse aujourd'hui beaucoup la photo de Robert Sarra. Mais pour quelle raison? Il est pressenti au rôle de pape? Oui, et noir, africain? Oui, ben voilà, ben j'avais dit oui. Un Ghanéen, nigérian. Aïe. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Ah ben c'est moi. Moi, je suis un peu d'accord. C'est elle qui a commencé quand même. Ouais, mais c'est vrai vous avez dit, on voit là, il est on voit la photo. Ben oui, mais c'est pas ça. Ouais. Ben, t'as pas dit quelle était sa particularité, si? Oui, mais pour quelle raison on le voit dans la presse? C'est justement parce que c'est pas seulement parce qu'il est postulant, c'est parce que il pourrait être le premier pape noir. Évidemment, c'est ça que j'attendais comme réponse. Ben, les deux, on peut pas faire gagner les deux. C'est compliqué. Hein. Alors là, il y a qu'un juge dans ces cas-là. On l'appelle Maître Najar. Je me tourne vers Vincent. Enfin, deux juges, trois juges avec Laurette. Ils sont derrière la vitre. C'est Laurette, Nicolas et Vincent. Ils sont trois. Ils vont décider à trois. Ils sont en train de se concerter. Est-ce qu'on rejoue? Est-ce qu'on donne la bonne réponse à Stéphanie ou à Jérôme? Alors, les trois qui sont derrière la vitre disent que c'est Stéphanie qui a gagné. Ouais. Bravo. Et Stéphane dans leur équipe. Ouais, tu sens qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec une autre question. Hein. Plus carré, là, mais vous n'avez pas tout perdu, Jérôme, car Europe 1 aime les amoureux et vous le prouve. Vous avez une amoureuse, Jérôme? Oui. Alors, fort. Eh ben voilà, comment elle est bien. Raconte comment elle est. Oh, Pierre. Cette semaine, nous vous. Comment elle s'appelle? C'est pareil, question bouillante. Hein. Comment? Diane, c'est pas vraiment un prénom d'origine italienne, ça, Diane? Ah, c'est foutu de votre gueule. Il vient juste de s'en apercevoir. Vous avez vraiment tout perdu aujourd'hui. Nous vous offrons donc, Jérôme et Diane, des coffrets beauté Clarins pour vous et pour elle. Oui, le nouveau soin star de la marque, le double sérum, des soins de visage et corps et un festival de produits Clarins Men. Tout ça pour célébrer les 10 ans de cette ligne pour hommes Clarins qui rend la vie plus belle. Vous êtes content quand même, Jérôme? Super. Laurent, est-ce qu'il est possible la semaine prochaine ou dans les prochains jours, je serai sur Paris, d'avoir deux places pour ce merveilleux théâtre, le théâtre Antoine? Non, c'est pas possible. Alors, terminé. Pour 19h, pour aller voir Inconnu à cette adresse avec Gérard Darmon et Charles Berling. C'est promis, parfait. Merci beaucoup. Merci Jérôme, bravo Stéphanie.
Dans la presse aujourd'hui, on parle aussi pas mal de ce coiffeur italien de 40 ans qui s'appelle Paolo Tagliavento. Pour quelle raison ? C'est le coiffeur du pape. Non, non, non. Oh, le pape a plus beaucoup de cheveux. Je suis pas sûr qu'on le coiffe beaucoup. Paolo Tagliavento. Tagliavento. Merci de ne pas écorcher son nom à ce coiffeur italien de 40 ans. C'est quelqu'un de très important. On ne doit pas écorcher son nom. Oh. C'est le coiffeur de Berlusconi ? Non. Est-ce que c'est le coiffeur d'une star ? Est-ce qu'il implante du cheveu ? Non. Non. Donc est-ce que c'est le coiffeur d'une star ? Non. J'en sais rien. En tout cas, c'est un coiffeur. Mais alors, il est connu. Ah ok, alors on n'en parle pas du tout par rapport à ses talents de coiffure. Exactement. On en parle parce qu'il a utilisé ses ciseaux pour tuer quelqu'un. Non, pas du tout. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Il n'a encore rien fait pour l'instant et de mal, ça on le saura demain. C'est pas du fait du verre, c'est... Non, c'est pas du fait du verre. Ah, on le saura demain, c'est très important. S'il va faire quelque chose. Alors pour l'instant il est inconnu. Il va faire quelque chose, on saura demain s'il a fait bien ou s'il a fait mal. Ah, bah c'est facile. Allez-y. Il va faire la descente de ski. Et oui. Ah oui, il y a souvent des coiffeurs qui sont champions olympiques de ski. Ah oui, c'est vrai. À 40 ans. Surtout à 40 ans, ouais. 40 ans. C'est assez fréquent. Remarquez, il gagnera une coupe, ce qui serait pas mal. Vous voyez. Alors. Alors, attendez, jusqu'à présent, puisque là, pour l'instant, ce qu'il doit faire, il ne l'a pas encore fait. Non, il l'a déjà fait, mais il va le refaire, là, aujourd'hui. Est-ce que c'est un record ? Il va battre un record, non, peut-être. Non, non, non. Un exploit ? Non, c'est pas un exploit. Il a loupé quelqu'un, non ? Non, non. Est-ce qu'il est connu en Italie, cet homme-là ? Paolo Tagliavento, je pense que son nom est plutôt connu. Alors, ah. Est-ce que c'est lié à l'Italie ? Comment ça, lié à l'Italie ? Est-ce que la réponse qu'on cherche à votre question est liée à quelque chose qui se passe en Italie ? Non, ma réponse est non. Est-ce que c'est lié à un secret qu'on lui a donné ? Par exemple, il a coiffé quelqu'un de très important et s'est confié, non ? Ok, ça a un rapport avec le sport. Quand elle dit ok, généralement, c'est bien à côté. Ça a un rapport avec le sport. Et ben voilà, ça a un rapport avec le match PSG Valence. Et oui, alors ? C'est évident. Et ben, il va ratiboiser la pelouse. En fait, il arrive avec un peigne. Il va coiffer la pelouse en brosse. Il va coiffer la pelouse. Attends, j'ai rajouté un peu de lac. Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que c'est un supporter ? Non. Un commentateur. Non plus. Est-ce qu'il est possible qu'on l'ait déjà connu ? Oui. Il donne le coup d'envoi ? Mais on s'en souvient pas. Non, il donne pas. Ah, un peu quand même. On va le voir. On va le voir sur la pelouse. Ben je sais. Ça doit être le mec qui coiffe David Beckham. Et comme ce soir, peut-être que pour la première fois, David Beckham va jouer. Non, il joue pas. Il va jouer contre l'OM. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il va donner le coup d'envoi. Eh oui, c'est l'arbitre Paolo Tagliavento. Il est coiffeur, il a 40 ans. C'est que les arbitres ont aussi un métier. C'est pas forcément une profession d'être arbitre. Bravo Joujou, il est malin Joujou. Il m'a entendu vous répondre que c'était... Il est malicieux quoi. Le coup d'envoi, tac, paf. Il a oublié d'être con Joujou. Il embrasse bien. Il met la langue. Non mais s'il n'y a pas de langue, c'est pas homologué. Hein. Ah bon, ça compte pas. C'est un carouache. Pour quelle raison parle-t-on d'Edouard Philippe, le député maire du Havre, aujourd'hui dans la presse? C'est lié au vote sur le mariage pour tous. À expliquer. C'est un des seuls socialistes qui va voter contre ou quelque chose comme ça? Un des seuls UMP qui va voter pour. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il n'y a pas M. Apparu aussi qui va voter pour? Je crois ils sont 3 ou 4. Hein, d'ailleurs, il n'a pas voté pour être très précis. Ah, il va s'abstenir. Il va s'abstenir. Comme NKM. Voilà, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Bruno Le Maire, aussi député de l'Eure, Pierre Lelouch, aussi député de Paris, et Édouard Philippe, donc le député maire du Havre. Ils sont à l'UMP, mais ils vont s'abstenir. Ils ne voteront pas contre le projet. Il y a l'inverse aussi. Il y a des socialistes qui, eux, vont voter contre. Et alors, le plus étonnant, c'est quand même l'ironie du sort, c'est le successeur de Christiane Taubira, le député donc de Guyane, qui s'appelle Gabriel Serville. Bah, il porte mal son nom parce que M. Serville, pas, là, oui. qui a sa place grâce évidemment au fait que Mme Taubira soit ministre, puisqu'elle lui a cédé son fauteuil, et bah, lui, il votera contre le projet. J'ai entendu ce matin qu'aucun député des Dom-Tom socialistes ne votera pour. Et oui, les ultramarins sont réservés sur le texte, à part le Martiniquais Serge Letchimy, apparenté Parti Socialiste, qui lui votera favorablement, mais vous avez raison, en Outre-mer, on vote plutôt Mais il y a beaucoup d'homophobie en Outre-mer, non, c'est vrai. Je sais qu'en Guadeloupe, par exemple... Bah on peut voter contre et ne pas être homophobe. Non, non, mais je pense qu'il y a... Tu sens le mec qui n'a pas beaucoup niqué pendant ses dernières vacances en Guadeloupe. J'ai un vachement d'homophobie. Tu veux que je te dise Alors, c'est vraiment l'inverse, en fait. Hein. Ça me rappelle quand je venais d'arriver à Paris avec des potes, on draguait plein de filles, elles ne nous calculaient pas, et en rentrant, on disait...
que des gouines à Paris. C'est pareil. Non, mais par exemple, en Guadeloupe, ils ont tenté plusieurs fois d'ouvrir un bar gay et à chaque fois, ils ont été caillassés et ça n'a jamais pu se faire. Ouais, les vitrines ont été détruites, etc. Donc, je pense que les électeurs ne sont pas forcément très, très open. Donc, les élus ont envie d'assurer une réélection. Oui, donc, ils préfèrent ne pas se prononcer pour le mariage. En Martinique, peut-être, et en Guadeloupe. Mais à Cayenne, dis donc, au bagne, ça y est. Non. Au bagne, t'es obligé. Hein. Et cassez pas que des cailloux. Si c'est pas toi qui le fais, on te le fait. Hein. Pourquoi tu me prends en otage en me regardant dans les yeux? Parce que tu l'excites, qu'est-ce que je te dis? Mais parle-en avec Renucci, je sais pas, putain. T'excites plein de gens, Michalak, en ce moment. Je vois pas Renucci me faisant mon petit lit tous les matins. Mais Pierre, t'as fait de la tôle pour de vrai, toi? Est-ce que vous êtes déjà allé en tôle? Non, j'ai eu des malheurs comme tout le monde. Mais combien de temps tu as passé? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris 6 ans à la Libération pour des conneries. Qui va le garder en tôle? Il chante 3 fois la trompette, il le sort direct. Tété avec un nouveau single. Nu là-bas, c'est le titre de l'album. La bande son de ta vie, c'est la chanson. Alors, il y a une photo incroyable prise à Rome hier, qu'on peut voir cette photo sur le site de la Repubblica. Que voit-on sur cette photo? Ah, c'est le pape qui fait un salto, ce qui veut dire qu'il est en très bonne santé. Ça veut dire qu'il s'entraîne pour Splash. Non. Si on l'a récupéré, il remplace TV. Il paraît que ça va, c'est pas très grave la démission du pape, il y a des soupapes de sécurité. Alors, attendez. Ça serait génial qu'il y ait de la fumée rose qui sort. Non. Tu vois, pour un nouveau pape gay. Cette photo que je vais vous montrer va vous surprendre. Est-ce que c'est lié aux trompes d'eau qui sont tombées hier? Oui. C'est la hauteur de l'eau qui dépasse quelque chose. La place de Saint-Pierre a été inondée? Non. C'était en gondole comme à Venise. Non. C'est la fontaine de Trévis, il y a de l'eau. Non plus. Je veux dire, laisse les gondoles à Venise le printemps sur la Tamise. Non, je dirais plus jamais ce mot-là, merci. Est-ce que c'était parce que le pape avec des grandes bottes de pêcheur? Elle a des fantasmes chelous. Et puis tu sais, il avait des petites mouches dans son truc comme les pêcheurs là. Dans sa chasse. Il a pas le droit de pêcher hein, le pape. Il tournoie l'histoire naturelle. Et comme les mamies, il avait un poncho, tu sais, en plastique. Non. Sur cette photo, on ne voit pas le pape. Je tiens à vous le dire. Mais c'est lié un peu au pape. Ah, quand même. C'est une photo étonnante que je vais vous montrer, qu'on m'a envoyée, qu'on trouve sur le site de la Repubblica. Photo qui a été prise à Rome hier. Alors, il y a un truc que je rêve de voir qu'on n'a jamais vu. Oui. C'est la papa mobile faire un créneau. On l'a jamais vu le mec galérer, s'est trouvé de la place. Elle est tout le temps en train de rouler. T'as déjà vu faire un créneau, toi? Comme quoi, il y a des passes droits. Hein. Si j'ai bien compris, on doit croiser. Sûrement pas. C'est lié aux intempéries. C'est lié à la pluie. Il y a quelque chose de papal et une inondation. Il y a quelque chose de papal, il y a Moustapha à part. Ah, mais est-ce que c'est pas. La place Saint-Pierre complètement vide à cause de la pluie, justement, non? Non. C'est à Rome ou c'est au Vatican ou c'est dans le reste de la ville? Alors, je vais vous dire. Dans quelle ville? On voit effectivement le Vatican sur la photo, ça c'est sûr. Donc on est quoi, place Saint-Pierre, genre? Exactement, on est place Saint-Pierre, voilà. Et c'est un déluge, comme dans la Bible, comme un mauvais présage. Mieux qu'un déluge. C'est c'est quelqu'un qui marche sur l'eau. Ah non, un corbeau. Un corbeau. De mauvaise augure. Un corbeau ou Moïse. Oui. Non, mais vous dites comme un mauvais présage, un corbeau sur la place seule. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Le ciel noir au-dessus. Une sainte vierge. Pardon ? Une sainte vierge. Une sainte vierge. Enfin, je vous montrerai une photo avec une sainte vierge. Mais peut-être une femme déguisée en Marie sur la place. Mais non. Quand il pleut. Une femme déguisée en Marie avec... Mais c'est ça les mariages gays. Mais non, enfin écoutez. C'est un mauvais présage. Vous avez trouvé que c'était. Franchement, c'est lié à la pluie. Voilà, aux intempéries, vous avez dit. Des nuages. Eh ben, c'est genre le Vatican. Des éclairs. Une photo du ciel. Le tonnerre. La foudre. La foudre qui frappe le Vatican. La foudre qui frappe le Vatican. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Elle est géniale, la photo. Est-ce qu'on est sûr que c'est hier? Ah oui. Hier, la foudre a frappé le dôme de Saint-Pierre. Oh, c'est mal barré. Non, c'est pas possible. Ah ben, puisque je vous le dis. Mais c'est incroyable. Ils se sont peut-être fait tous électrocuter à l'intérieur. Ça veut dire que Dieu n'est pas content. Non, c'est-à-dire que Claude François pisse au paradis. Non, mais c'est étonnant, non, cette mais t'as photo. Raison. Peut-être que ça vous fait réfléchir, ça vous fait croire à nouveau. Non, mais c'est impressionnant, effectivement. Mais je me demande comment il y avait une caméra de sécurité. Ils n'ont pas pris la photo pile à ce moment-là. C'est un photographe de l'agence italienne ANSA qui a capté le moment précis où un éclair foudroie le dôme de Saint-Pierre. Ah, bah, merci. Ouais. Hein. Merci Marie-Laure Augry. Excusez-moi, ça m'a fait plaisir. Mais à l'heure de Photoshop, moi, je peux vous faire des foudres qui tombent n'importe où. Ouais, et une sainte vierge.
Et une sainte vierge avec un corbeau sur l'épaule. Ça sent le coup de Tipex rajouté sur la photo quand même. Mais non. Bien sûr, je n'y crois absolument pas. Ah bon, voilà autre chose. Oh, mais c'est du Photoshop, c'est évident. Ouais. C'est comme une boulangerie géante, il y a un éclair et des religieux. Ah, ça c'est joli. Une autre question alors, quelle est la particularité du maillot des rugbymen français de l'équipe de France de rugby du 15 de France? Je sais. Par rapport aux autres maillots des sélections. Ils sont moulants. Commence pas tes phrases par je sais. Tu ne peux pas dire ah, je sais ou pire encore, ok. On est dans le tournoi des Six Nations, il y a toutes les équipes du tournoi, des Six Nations, Pays de Galles, Écosse, Angleterre, France, Italie, Irlande. Et l'équipe de France, son maillot a une particularité par rapport aux cinq autres. Vas-y. À mon avis, ils peuvent pas porter le maillot qu'ils portent habituellement parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui a du bleu. Ah non non, c'est en règle générale sur quelle que soit l'équipe qu'ils Est-ce affrontent. Est-ce que c'est lié à la qualité de tissu? Non plus. Pas de sponsor. Il y a pas de sponsor. Il y a pas de publicité. Il y a pas de publicité sur le maillot français, contrairement au maillot des autres équipes. Bonne réponse de François Renucci. Ah ben c'est très bien. Mais comment que fait-il ? C'est comme à France Télé, ils ont supprimé la pub. C'est une décision du président de la Fédération du rugby qui dit tant que je serai là, il n'y aura pas de publicité sur le maillot national. Ils préfèrent perdre de l'argent. Et perdre leur match aussi. Voilà. Ils disent, il y a un sponsor d'ailleurs pour l'équipe de France de rugby. On le voit pas. Mais il n'est pas sur le maillot. Il est sur les tenues d'entraînement, sur des tas d'autres supports, mais pas sur le maillot des joueurs pendant qu'ils jouent. Voilà, contrairement aux autres équipes. Mais je trouve ça bien de pas transformer des sportifs comme ça en homme sandwich, c'est très bien. Et oui. C'est l'équipe de France quand même, voilà, c'est pas un club privé, c'est différent. Ça les empêche pas de perdre en même temps. Mais c'est pas grave. Tu peux nous faire la chanson qu'ils font là, l'équipe de France avant le match, comment ça se passe? La 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 la. Pour le rugby ça aussi? Ah oui, ils le font pour le rugby. C'est la Marseillaise que je te demandais, idiot. Ah, ça ils le font jamais la Marseillaise. Ouais, mais c'est vachement moins connu que Gloria Gaynor. Dans certains milieux en tout cas. Il y a une statue qu'on voit beaucoup dans la presse aussi aujourd'hui, une statue énormément photographiée. Ça fait 2-3 jours qu'on la voit, cette statue réalisée par Georges Diebold, qu'on voit beaucoup en photo dans la presse depuis 2-3 jours. C'est en France ? C'est une statue qu'on vient d'inaugurer ? Non, oh non. C'est pas Teddy Riner. C'est le, à mon avis. Elle date de 1856, cette statue. Donc ça n'est pas Teddy Riner. Ah, 1856. Alors, 1856, ça correspond à la mort de quelqu'un ? Non. Est-ce qu'elle est dans un musée, cette statue ? Non, justement, non. Elle est sur une place ? Non plus. C'est dehors, elle est dehors. Est-ce qu'elle est en France ? Joujou a l'air de savoir. Je l'ai vu bomber son torse et se reculer, ça je le connais par cœur. Et ouvrir la bouche et brancher la tête. Et enlever son slip. Ça veut dire que tu as la bonne réponse. Je le connais, Joujou, ça veut dire qui c'est, allez-y. Non, je vais peut-être, c'est à Paris. Oui. C'est accroché à un pont. Oui. C'est le zouave du pont de la Qu'est-ce que je vous disais Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est logique. Attendez. Je le connais, mon Joujou. Là maintenant, c'est interprétation du bombage de torse. On a plus besoin de se parler. Le zouave du pont de l'Alma, effectivement. Dans l'eau. On voit la statue plein Napoléon III. Ça. Et oui, on voit la statue partout dans la presse parce qu'il a les pieds dans l'eau. Non. Et oui. Comme ma maison à Saint-Tropez. La Seine est à 3,82 m, ce qui n'est pas un record. Hein. Il a déjà eu de l'eau jusqu'à la tête. Hein, le zouave du pont de l'Alma. Elle pèse 8 tonnes, la statue. Ça me paraît gros, moi, 8 tonnes. Parce qu'elle est toute petite, cette statue. Non, oh, vous savez, c'est vite fait. Un peu de Nutella, des frites. La Seine en tout cas est haute. Voilà pourquoi les quais de Seine sont fermés d'ailleurs en ce moment. Vous avez vu la circulation. Ça fout un bordel. Oh là 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 là. La Seine plie sous le ventre des chalands. Tout là-bas un régiment. Il attend même plus qu'on lui demande quoi. Dans ce cas-là, on envoie la pub. Ce week-end, il y a eu un match de foot dont on a beaucoup parlé, qui a créé la polémique. C'est le match Saint-Étienne-Montpellier. Est-ce que vous savez pourquoi, déjà, dans la première question? Ouais, parce qu'ils n'étaient pas 11. Non. La neige, parce qu'il y a beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Mais c'était incroyable, cette neige qui, normalement, aurait dû faire que l'arbitre annule ce match. Les joueurs eux-mêmes ont dégagé le terrain. Exactement, on a vu même les joueurs, à un moment donné, avec des pelles, tenter de dégager la neige du terrain. Ça la fout mal. Tout ça parce qu'ils menaient au score, les Stéphanois. Donc, ils voulaient absolument aller au
bout du match, puisque la neige est tombée à la mi-temps. Ah, d'accord. Mais c'est assez hallucinant. Hein. Quand on voit les images à la télévision, c'était une patinoire. Ah, mais c'est joli. Mais alors, ironie du sort, comment s'appelait l'arbitre de ce match ? Ah, glace ? Non. Glaçon ? Scratte ? Non. Gelé ? Glisse. Arbitre qui aurait dû annuler le match et qui ne l'a pas Titanic. Fait. Titanic. Non. C'est quoi son prénom ? Iceberg. Ah, j'ai pas son prénom. C'est monsieur. Monsieur Ski ? Non. Non, monsieur Luge ? Non. Monsieur Neige ? Monsieur Neige, ouais. Non. Monsieur Bonhomme ? Non. Ski ? Non. Monsieur Ski ? Tu connais beaucoup de mecs qui s'appellent Monsieur Ski. Patin. Non. Raquette. Peut-être qu'il faut Raquette. Poser des questions plutôt que de balancer des. Ah, est-ce que c'est le nom d'un objet? Monsieur Courgeot. D'un objet, non. Monsieur Courgeot. Monsieur Freeze. Le glaçon friandise. Mister Freeze, le glaçon friandise. Bah oui. Est-ce que c'est un nom composé? Mais vous êtes tout prêt, mais il vous faut poser une question supplémentaire si okay. vous voulez trouver. Est-ce que c'est un nom de marque qui a un rapport avec le froid? Est-ce que c'est un adjectif? Oui. D'accord. Est-ce que c'est Monsieur Congelé? Non. Monsieur Frileux. Non. On est dans pyramide là. Alors. Trois briques. Attendez. Non mais parce que c'est rigolo. Le match aurait dû être interrompu à cause de la neige. L'arbitre prend la décision de continuer le match. D'ailleurs, Montpellier, ils étaient vraiment furax parce que c'était impraticable. Et en plus, il s'appelle... Monsieur Avalanche. Non. C'est un bel adjectif, ça. Monsieur Glacé. Est-ce que c'est parce que c'est le contraire? Monsieur Géchaud ou... Monsieur Gelé. Non. Alors, il s'appelle Philippe de son prénom, mais peu importe. Ça va nous aider vachement. Ouais, il s'appelle Philippe. Ah, est-ce que c'est un nom avec une particule? Non, non. Genre Philippe Tirfès. Peut-être je vais vous aider, il est né à Colmar, ça peut vous aider ça. Ah. Monsieur Traîneau. Ah, parce que est-ce que ça a un rapport avec le gentilet de Colmar? Monsieur Noël. Non. Mais non, avec l'Alsace. Parce qu'il l'Alsace. Il habite à l'Est. Oui. Monsieur Choucroute. Monsieur Enneiger. Ah, monsieur Raclette. Ouais, Philippe Raclette. Mais c'était pas con. On a dit un adjectif. Vous n'avez pas posé la question essentielle. Ok. Est-ce que c'est lié au froid? Quel est son nom? Ça, oui. Est-ce que c'est son surnom? Non. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. C'est okay. lié au froid, oui. C'est un nom ridicule un peu. Monsieur Glagla. Non. Philippe Glagla. Est-ce que c'est un Français? C'est un Français, mais il a un nom de consonance étrangère. Exactement. Monsieur Frozen. Monsieur Snow. Monsieur Mr. Iceberg. Mais non, c'est un truc allemand. Monsieur Gold. Ah ben oui. Monsieur Kalt. Monsieur Kalt. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu vois? Kalt. Das Wetter ist kalt. C'est froid en allemand? C'est un adjectif. Kalt, ça veut dire froid en allemand. Das Wetter ist kalt. Oh non, moi je ne savais pas moi tu veux dire ça. C'est vrai. C'est l'ironie du sort, vous voyez. C'est Monsieur Kalt qui décide qu'on a le droit de jouer dans la neige contre. C'est drôle, ceux qui n'ont pas fait d'allemand ne connaissent. Moi, In der Schnee. Je ne connais rien de l'allemand. Kalt, ça n'est pas de chez moi. Pas assumer, Kalt, ça, je croyais que ça voulait dire casse-toi, moi. Monsieur Kalt. Non, si tu veux dire casse-toi, tu dis veg. Monsieur Kalt, il n'a pas chaud. Ou raus. Non, ça, c'est belge. Ça, c'est tiens, puisque accent. Vous aimez les langues étrangères, on parle beaucoup du sweating dans la presse aussi, car certaines personnalités en ont été victimes. Mais qu'est-ce que le sweating? C'est quand une équipe de sweat. Attends, il a l'air de savoir, Moustapha. Je crois que Bibi le sait. Quand je dis Bibi, je parle de moi. C'est une nouvelle connerie que les jeunes font. Ils font en sorte que le SWAT, donc unité d'élite, les flics, les forces spéciales, viennent chez une star en faisant une blague, un canular au téléphone. Et c'est par exemple Ashton Kutcher qui en est victime en ce moment. Pas le seul, Chris Brown aussi a Chris été Brown victime aussi, oui, de ce genre de canular téléphonique. C'est en fait un canular où on appelle les flics pour qu'ils débarquent chez des stars. On dit qu'il y a eu des coups de feu par exemple, tout ça, comme ça ils viennent vite et ça fait marrer. Il faut avoir les adresses. C'est un gamin de 12 ans par exemple le dernier qu'on a chopé. Tom Cruise a reçu la visite des forces de l'ordre dans son jardin. Chris Brown, même chose parce qu'un plaisantin a affirmé avoir entendu une violente dispute entre un homme armé et une femme dans la maison du chanteur. Et pour une fois, c'était pas vrai. Ça s'appelle le swatting parce que swat, ça veut dire effectivement. Special Weapons on Tactics. C'est la police de Los Angeles? Non, pas spécialement. Non, ça, c'est dans tous les États-Unis. GIGN, c'est une sorte de GIGN, exactement. C'est les forces spéciales. Voilà. Bonne réponse collective. Voilà, le swatting est à la mode. Pardon? J'ai pas entendu. Non, oui. C'est un travail d'équipe. On t'a aidé quand même. J'ai fait une réponse qui a duré 3 minutes avec énormément de détails. Mais qui était incompréhensible et qu'on a éclairci. Le swapping, donc, ça n'est pas encore arrivé chez nous. Hein. On n'a pas encore. Le swatting avec un T. Swatting. Pas swapping. J'ai dit quoi? Swapping. Non, j'ai bien dit swatting. Bien sûr, chef. Je vais vous montrer une jolie photo. Regardez cette jolie femme. Ah, vous êtes très photo. En sous-vêtements. Hein. Voilà. Oh, faites passer beau grand parce que de toute façon, ça vous. Voilà. Ah bah, si, je regarde quand même. Caroline, Pierre. Elle a des grosses seins. Quelle raison parle-t-on de cette jolie femme dans la presse aujourd'hui? Ah, parce qu'elle est très distinguée. C'est pas Mila Kunis. Pierre, t'endors pas sur la photo. Est-ce là, que c'est une actrice? Ce n'est pas une actrice. Oh, dedans. Elle a la même poitrine que Daniel Evenou. Ah,
C'est l'ex du pape. L'ex du pape. Alors, c'est à cause d'elle qu'il a démissionné. C'est Madame Ratzinger. C'est sa fille. Exactement. C'est la fille du pape. Moi, d'ailleurs, vous savez quoi? Je pense qu'on va découvrir ou on va apprendre un truc. Je pense que cette démission cache quelque chose. Ah, vous pensez? Vous voulez dire qu'il précède un scandale? Moi, je crois. Genre quoi? Genre des soirées bunga bunga? Non, mais je peux pas penser qu'un pape démissionne comme ça. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais je sais pas pourquoi. Je trouve ça. Je trouve ça incroyable qu'un pape démissionne. D'habitude, ils vont jusqu'à la mort. Vous voyez pourquoi celui-là, il aurait décidé de ne pas aller jusqu'à la mort. Surtout qu'il en est pas loin. Moi, je crois que c'est un homme sincère et qu'il se désolidarise complètement de l'institution. Il croit plus en Dieu. C'est-à-dire, non, il croit en Dieu. Il n'a jamais cru en Dieu, d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça. C'était juste ambitieux. Il n'y a que les curés de campagne qui croient en Dieu. Ils savent bien, ils sont intelligents, les papes. Ils savent bien que évident. Comment tu veux que le pape croie en Dieu? Tu crois pas dans les rebouteux, toi? Ben, les papes, ils croient pas en Dieu non plus. C'est pas cette chose-là. C'est que, comme il y a tellement de scandales, j'ai dit, qu'est-ce que je fous? Moi, je suis un théoricien de la foi. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Allez, vous êtes contents? Vous voulez faire ça? Vous voulez faire éclater ce scandale? Vous voulez faire ça? Allez, messieurs, je vais au cinéma. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et ça aurait été plus rigolo s'il était allé au Sofitel de Rome et qu'il tombe sur Dodo la Saumure. Vous voyez, voilà, que ça lui fasse interrompre sa carrière de manière un peu plus. Voilà. Mais vous pensez vraiment qu'il y a un truc caché? Il y a un truc, il y a une histoire? Non, mais je trouve ça mais quel genre non, moi j'ai une idée. Oui. Je me suis dit qu'il doit y avoir tellement de gens qui essayent de le manipuler. Il est en train de perdre la tête, il le sait. Et plutôt que d'être manipulé, que quelqu'un parle à sa place, il préfère annoncer son départ avant. Oui, parce que sinon, était pas bah libre, oui, parce ça. Qu'il y a des gens qui peuvent profiter de sa faiblesse et donc lui faire dire... Mais les autres faire... aussi avant. Mais non, bah mais lui faire passer des lois, genre pour l'avortement, des trucs comme ça. Il fait rarement des lois. Oui, ça c'est rare. Ouais. Bon, de toute façon, cette fille-là n'a rien à voir avec le pape. Ne serait-ce pas Madame Evra? C'est-à-dire. C'est une des deux jumelles Playmate avec lesquelles il a couché. Carla, et quelque chose. Qui ont tout raconté à la presse. Carla Ho, un mannequin anglais qui a posé pour le magazine Playboy, avec qui Patrice Evra, le footballeur français, est sorti. On le comprend. Alors, mais enfin, sauf qu'il est sorti la veille du match, quand même, de l'équipe de France de football. Ouais, mais là, ça valait le coup quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah, ouais. Certainement, enfin, quand même. On n'a pas le droit de faire l'amour la veille. Ce match, on l'a perdu contre les Allemands. Ah, mais lui, il n'a pas tout perdu, lui. Il n'a pas été très, très bon. Quand même, on se souvient que c'était en plus un des meneurs au moment de la Coupe du Monde. Déjà, je me demande encore ce qu'il fout dans l'équipe de France de football, pour tout dire. Et en plus, là, il va faire le con en boîte de nuit à Paris, au Cristal, où il a dépensé 25 000 euros en champagne et tequila et où il a dansé. 25 000 euros ouais, il voulait pas descendre du bus, mais il veut bien rentrer dans les putes. Quoi. quand j'entends... Il a dépensé 25 000 euros en champagne et tequila et dansé toute la nuit. Evra, 31 ans, et Carla, 22 ans, sont rentrés dans la suite de l'hôtel 5 étoiles du joueur. Au réveil, l'ancien monégasque aurait laissé 200 euros avant de prendre un taxi pour rejoindre la sélection tricolore à Clairefontaine. Ça, c'est clair. Mais c'est ça qui est le plus drôle. C'est pour ça qu'elle a parlé. C'est parce qu'il lui a laissé que 200 euros. C'est que c'est des crevards. Elle a dit que c'est pour ça qu'elle s'était exprimée, qu'elle avait balancé. Il lui aurait laissé plein, ben, il serait tranquille. Non, mais 25 000 euros, j'ai jamais vu ça, moi. C'est-à-dire ben, on raconte toujours que la bouteille de champagne coûtait 3000 euros, c'est pas vrai. Les champagnes coûtent 400 euros. Mais non, les magnums de champagne, des giroboam, des trucs comme ça, ça coûte vite fait 2000 euros dans les boîtes de nuit. Et on prend 12 giroboam. Bah oui, il y a 12 potes. Mais non, parce qu'ils invitent potes, tout, voilà, potes, mais non, mais ils font des jeux, genre qui va prendre le plus de bouteilles. Non, mais ça. Ils les vident sur la gueule, généralement. Dépenser 25 000 euros dans une boîte de nuit, je ne crois pas que ça existe. Voilà. Moi, j'ai vu Odigier dépenser 400 000 euros dans une boîte de nuit. Non. Christian Odigier. Ouais, à Saint-Tropez. Non, c'est pas une connerie. Au Cave du Roi, il était contre. De champagne à chaque personne. Mais bien sûr, des Jéroboam et tout. Et j'ai vu un truc fabuleux, je vous jure que c'est pas une blague. En fait, il y avait un Indien milliardaire face à lui. Ah, ils font des concours chaque année. Exactement. Ah, c'est des battles. Que nous, c'est génial. Nous, on l'appelait Slumdog Millionnaire, ça nous faisait rire. Super. Et il faisait une espèce de compète. Lui, il prenait 30 bouteilles, donc au DJ, il en prenait 40. Et on peut se faire assommer par sa vulgarité au sens propre. Il a commandé une bouteille d'1m50 en disant c'est moi le patron et j'étais tout. J'étais dedans. Et le mec, non, pas loin. Le mec, il l'a ramené, j'étais là, il l'a ramené, il a dérapé, il s'est pris la bouteille sur la tête. Il est tombé dans le coma pendant 2 minutes. Quoi. Je te jure que son con c'est riche hein, quand même. C'est chouette hein, la vie nocturne quand même. Non mais alors là, moi ce qui me fait envie, je vais vous le dire, c'est qu'elle a une sœur jumelle. Non. Ouais, mais surtout, elles font l'amour à deux hein, alors non, c'est non, des jumelles, sont, c'est dégueulasse. Des jumelles lesbiennes nymphomanes, t'imagines mais le non, mais elles sont juste sœurs ou jumelles? Tous les tenanciers de maisons de oui. prostitution ou tous les trucs malfamés et tout ça te disent que la jumelle, les jumelles, c'est t'as un fonds de commerce fabuleux. Bah évidemment. Les types deviennent fous avec les jumelles. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu te rends compte, t'en as deux. Et c'est les mêmes. C'est extraordinaire. C'est vrai.
Vous dites, on peut revenir à Patrice Evra, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a deux choses qui m'intéressent dans cette histoire. C'est quand la prochaine sortie? Non, c'est pas ça. C'est que, j'aimerais que vous m'emmeniez une fois. Au cristal? Ben oui, parce que, à chaque fois, ça se passe là. Souvenez-vous que les joueurs de l'équipe de France Espoir, qui étaient rentrés du Havre en pleine nuit, eux aussi, ils étaient venus au Havre, du Havre à Paris, exprès pour aller dans cette boîte des Champs-Élysées. Il paraît que c'est sur les Champs-Élysées. Il paraît. Tu connais, toi, le cristal? Et manifestement, ils adorent aller dans cette boîte, quoi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Je sais pas, il a l'air d'avoir deux, trois filles. Mais à quel endroit? Il y a des Champs-Élysées. Mais c'est pas interdit par la loi? C'est bien, ça doit être derrière la rue de Ponthieu. Mais c'est pas une prostituée, la fille, elle est mannequin. Enfin, voyons. Elle doit aller mannequin pour Playboy. Ça n'est pas prostituée. Mannequin sans culotte, c'est plus écarté, c'est quand même pas loin. Non, mais je sais pas. La frontière est mince. Non, mais enfin, les footballeurs, ils sont devenus malades. Ils veulent tous aller dans cette boîte. Moi, je veux qu'on m'emmène dans cette boîte pour voir comment ça se passe. C'est une boîte un peu hip-hop où il y a des rappeurs, des footballeurs. C'est vrai. C'est très vulgaire. Alors, et pourquoi j'y serais pas, moi, Wesh la fouine? Wesh la fouine. Il va se faire tirer dessus par Booba dans deux jours. Le clash, Ruquier la fouine, Booba. Ruquier à l'hôpital. Le clash, ouais, t'as raison. Le clash, la fouine, Booba. Moi, je veux y aller. Alors, et l'autre info, enfin, moi, ce qui m'épate toujours, c'est que. Ça se passe à Paris, ça concerne l'équipe de France de football, il faut que ce soit la presse anglaise qui sorte l'affaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les journalistes français motus et bouche cousue sur cette affaire-là. Mais c'est très bien. La fille est anglaise. Je défends ce journalisme à la française. C'est un peu ridicule de faire trois pages sur un malheureux footballeur qui se tape une pute. Il faut faire des mais on s'en fiche qu'il se tape une pute, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce soit avant le match, Pierre, il se tape qui il veut, il dépense ce qu'il veut, on s'en fout. Oui. Mais pas la veille ou l'avant-veille du rassemblement de l'équipe de France de football où on est ridicule devant les Allemands et où on perd. Le même mec qui a fait des frasques en plus à la Coupe du Monde. Non. J'ai un peu de respect. Je suis désolé, c'est de l'information. Et les Anglais ont eu raison de sortir l'affaire. Et les Français, une fois de plus, c'est l'omerta. Comme pour DSK, il faut que ça se passe à New York pour qu'on la prenne. Mais excusez-moi, Laurent, mais vous avez, la jeune fille, visiblement, est britannique. C'est elle qui est allée vendre son histoire au Sun. Exactement, c'est elle qui est allée voir le Sun. Hein. C'est pas une enquête journalistique. Pour dire la pute est anglaise, elle dit la jeune fille est britannique. Ça s'agite autour de la table quand on parle des nuits dans les discothèques. Joujou et Mustapha, ils sont au courant de tout. C'est quoi cette histoire de cage avec des panthères? Je veux savoir. Non, c'était la dernière soirée avec Mustapha, on l'a retrouvé là-dedans. Non, racontez. On était toujours sur cette histoire de l'Indien multimilliardaire qui essaye de faire plus que le plus riche de ses voisins de Saint-Tropez. Et lors d'une soirée, je crois que c'était dans un établissement qui s'appelle le Nikki Beach à Saint-Tropez, ils sont carrément passés avec des hélicoptères, lâcher des pétales de rose au-dessus des gens qui étaient en train de danser dehors. Ils ont fait installer des cages avec des panthères au milieu du. Mais des vrais panthères? Oui, des vrais panthères. Ah bah oui, les panthères en plus, ça sert à rien. Pierre, vous êtes dépassé chez Castel et au Matisse. Hein. Il n'y a pas tout ça. Bah, s'il paye un vrai carré de boule, il le tweet, lui. J'ai rajouté des softs. Ah, c'est peut-être Twitter aussi qui a fatigué le papa. Vous avez vu, du jour où il se met sur Twitter. Il a tweeté, c'est vrai, Pontifex. Oui. Ah oui, du jour où il tweet, paf, ça le fatigue. C'est vrai que ça fatigue Twitter au bout d'un moment. On va peut-être fouiller dans son iPhone, voir s'il n'y a pas d'autres trucs. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose de caché là. Ah, il y a des followers. Il était sur Grindr. Imagine. Ah ouais, avec la robe coupée à milieu. Avec, tu sais, il soulève un peu la chasuble pour laisser entrevoir la cuisse. D'air de dire. Pontifex. Non, on n'insulte pas mon pape. Non. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas catholique, Beaugrand. Je suis catholique, j'ai été baptisé. C'est pas vrai. Communier aussi? Non, quand même, j'ai arrêté après. Ah ouais? Tandis que moi, j'ai eu la montre. Je suis redevenu quelqu'un de bien. Non, moi, je n'ai pas voulu. Mais justement, il y avait plein de potes qui me disaient, mais pourquoi tu ne vas pas pour avoir les cadeaux? Et je dis, non, je ne suis pas comme ça, moi, je suis pur. Je n'y crois pas, donc je ne vais pas. C'est vrai que c'est le symbole de la pureté. Moi, je pense plutôt le contraire. C'est-à-dire? Si t'es catholique, tu peux dire le pape c'est un chien, je l'emmerde et tout. C'est de toi que ça vient. Si tu es étranger à cette religion, tu dois au contraire respecter comme je le fais. Bien sûr. Et tu dis votre très saint père, je pense, je ne sais pas s'il y a une histoire de fion dans cette histoire. Ça c'est du respect, effectivement. C'est respectueux, tu le vois. C'est très respectueux. Non, écoutez Pierre, c'est mon pape enfin. C'est mon pape. Oui, c'est mon pape. Touche pas à mon pape. C'est le pape de Christophe, c'est le pape de vous êtes catholique, vous, Jérémy? Je suis complètement athée, moi. Ah ouais? Oui. Oh bah, non, j'ai été baptisé, mais bon. Ah, t'as été baptisé? Ah, mais voilà, t'as été baptisé quoi?
Quoi, j'ai été baptisé quoi ? Baptisé quoi ? Quel baptême ? Il y a plusieurs baptêmes. Il y a des baptêmes catholiques, il y a des baptêmes protestants, il y a des baptêmes juifs. Mais on a dit catholique. Baptême catholique, c'est ça dont on parlait ? Non. C'est rare des baptêmes juifs, non ? Nous, on disait le baptême pour dire même ça, vous l'avez racheté, hein ? Vous ne vous arrêterez jamais. Il n'est ni Juppé, ni Fabius, auquel on le compare si souvent. Aucun des deux n'a été capable d'écrire un bon livre. C'est Philippe Labro qui parle de quelqu'un dans le Figaro. Mais de qui ? Johnny Hallyday ? Non. Est-ce que c'est un homme politique ? De qui parle Philippe Labro ? Il est ami avec Johnny, mais pas à ce point. Non, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Ancien au gouvernement ? Qui était au gouvernement. Est-ce qu'ils ont occupé les mêmes postes ? François non, Fillon ? Non. C'est quelqu'un dont il estime qu'il a écrit un bon bouquin. Et ben voilà, ça voilà. Déjà, voilà. Alors, qui a écrit un bon Léotard bouquin ? Un politique non, a bien non, écrit. Non, non, non. Est-ce qu'il est de droite ? Est-ce que c'est pas le vieux monsieur que j'aime beaucoup avec les cheveux blancs et les yeux bleus ? De Gaulle. Jean d'Ormesson ? Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. C'est un politique d'Ormesson. C'est un écrivain, donc il écrit des bons livres. Philippe Labro déclare : il n'est ni Juppé ni Fabius auquel on le compare si souvent. Aucun des deux n'a été capable d'écrire un bon livre. Sous-entendu, lui, si. Bon, donc c'est un homme politique de droite. Voilà. On disait. Oui, mais est-ce qu'il a été Premier ministre ? Non. Est-ce que le livre vient de sortir ? Il aurait aimé l'être. Est-ce que le livre est en train de sortir ? Le livre est sorti, vient de sortir. De Villepin, non ? Non. Est-ce qu'il a été aux affaires étrangères ? Azouz Begag ? N'a pas été aux affaires étrangères. Azouz Begag, non. Oui, il aurait adoré être Premier ministre, c'est vrai. Et écrire un bon livre aussi. Oh, le nom qu'on a oublié. Un ministre. C'est un livre politique qui vient de sortir ? Ou c'est un livre sur toute autre chose qu'il a écrit, ce monsieur ? C'est quelqu'un qui a écrit des livres. Pas seulement politique, oui. Il fait aussi des essais ou des romans ? Des polars ? Non, mais là, le livre. Debré ! Le livre dont parle Ce n'est pas Debré qui, effectivement, écrit des polars. Polars. C'est pas bête, Pierre Bénichoux, le président du Conseil constitutionnel, ouais. C'est vrai. Jean-Louis Debré écrit des polars, mais ça n'est pas Jean-Louis Debré. D'abord, on ne compare pas souvent Debré à Juppé ou à Fabius. Excusez-moi, est-ce qu'on les compare par rapport à leur parcours politique ou par rapport à leur physique ? On les compare par rapport à l'avenir possible de cet homme politique. Donc, c'est quelqu'un qui peut reprendre la mairie de Paris ou qui peut. Non, on parle pas de lui pour ça. Il est âgé ? Non. Non, il est pas âgé, il est pas très vieux. C'est un quinca ? Non. Oui. Ah oui. Bah c'est Copé, non ? Non, c'est pas Copé, non. Alors, bah alors on cherche les quincas de droite. Oui, voilà. Alors, bah voilà. Un quinca de droite. Ancien ministre. Est-ce que c'est un quinca nerveux ? Laurent Fabius. Non. Je mange. Pas trop, justement, il est pas trop nerveux. Il est zen. Ah ! Il est mou un peu. Il est pas mou. C'est très bon. C'est plutôt quelqu'un de sage. D'ailleurs, son nom a été cité depuis le début de cette émission. Tiens. Ah bon ? Ouais. Évrin ? Comme vous n'y connaissez rien. Évrin. Benoît XVI. Non. Monsieur Kalt ? Mais non. Benoît te dit. Ah, Benoît Hamon. Michel Sardou. Non. La trompette. C'est le remix. On se refait l'émission à l'envers. Princesse Tarla. Chris Brown. Oui. Patrick le Évrin. SWAT. Mais on se souvient de tout. L'unité d'élite. Le ZOAF du pont de l'Allemagne. Vous vous souvenez de tout. Ah oui, c'est des... Oh non, mais écoutez, franchement, alors. Attends, mais tu vois qu'on a de la mémoire. Vous vous souvenez de tout sauf du politique qui a écrit ce livre, enfin. Bah, oui, mais on sait pas quel est le bouquin, donnez le titre. Oh, bah et quoi encore ? Ah oui, on peut avoir le nom de l'auteur. Et l'éditeur aussi ? Oui. Oh, bah comme si l'éditeur allait nous donner le attends, nom attends, du. Attends, alors. Alors, c'est peut-être un des députés, on a parlé du mariage gay, c'est un des députés, on a cité qui à droite. Apparu. Lelouch. Non. Édouard Philippe. Non. On a dit Lelouch apparu, c'est qui l'autre ? Un politique qui écrit. NKM. Nathalie Kosciusko-Morizet. Non. C'est NKM en fait. Un politique qui écrit des livres. Et qui est un homme donc, hein, c'est oui, ça ? Oui, un homme, oui. Ça se vend bien ou pas ? Oui. Allez, c'est une bonne plume. Teddy Riner ? Non, écoute. Musée Grévin ? Une bonne plume. On a cité son nom tout à l'heure. On a dit effectivement qu'il faisait partie des gens de l'UMP qui allaient s'abstenir. Et ça nous a déçus. Monsieur non. Le maire ? Monsieur Bruno Le Maire. Bonne réponse. Heureusement qu'il est là, Joujou. Heureusement qu'il est là. Bruno Le Maire. Heureusement qu'il est là. Même quand tu trouves au bout du mur. On va se gêner. Do-ré-mi facile. Do-ré-mi facile. Liado. 10 interprètes à identifier, c'est le quiz de Serge Liado. Bonjour Serge. Salut à tous, salut Laurent. Salut Serge. Et comme salut. Serge est toujours au fait de l'actualité, toujours. Évidemment. Ah, ça va être Abemus Papa. Ça va être et sur voilà. Le pape. Et Bouès Abet. Bon, alors donc le pape. C'est du basque. Le pape, 10 extraits de chansons où le mot pape est prononcé. Est-ce que vous pourrez en identifier les interprètes ? Le 10, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je pense que François a la réponse. C'est le dernier, hein, c'est ça. Oui, le dernier. C'est parti. Ah, c'est le pape a dit, éclate d'amour sans être marié est un péché. Car pour le pape, y a pas de soupape.
jamais de cajot dans mon pajot. Si le pape la chope, la grippe, si le pape la chope. Chope la soupape. Jésus-Christ, toi qui t'es tapé une pute il y a quelques années, est-ce que pour faire plaisir au pape t'es chiche d'y retourner sans capote? Je vais te montrer comment on fait du rap. T'as juste à bouger les mains, un peu comme le pape. Tu chopes des mots qui riment dans un dico. Tu mets un beat dessus et ça donne ta démo. Le pape Paul Jean, lui non plus, ne prend pas d'argent. Faut que je foute un frange à l'Amérique, que je tape comme Tibéri. Qu'on arrête de stater les bions, qu'on vote pour lui aux yeux. Marion, nous c'est la première étape. Ça va pas plaire au pape. Vous pouvez voir le pape rêvant sous les palmiers, au rythme langoureux des douces vaillées. Comme un simple touriste, un évêque anglican se dorait au soleil sous son panama blanc. Lui, il n'était pas du tout doué pour être pape, puisque même une fois dans sa poche, on a trouvé des préservatifs. Vous voyez, pour un pape, c'était foutu d'avant. Qu'est-ce qui se passerait si, à la stupeur de l'épiscopat, le pape Pie était papa? Mon ami, à mon avis, c'est une question même pie. Si le pape était papa, son papa serait papi. Oula, c'est très dur aujourd'hui. Non, pardon. Non. Les premiers sont faciles, mais après c'est très dur. Bon, Florent Pagny. Florent Pagny. Florent Pagny. Florent Pagny, c'est lui qui chante pas de boogie woogie. Pierre Perret. Ouais. Pierre Perret. Ouais. Oui. Après les deux autres, tu c'est Didier Super, non ouais. Oui, ah, bravo. Oui. Il y a pas si. Il y a Coé. Il y a Coé. Oui. Il y a Anne Sylvestre. Anne Sylvestre. Il y a Benabar. Non, non. Il y a Souchon. Il y a Souchon qui parle. Il y a les fabuleux troubadours. Oui, les fabuleux troubadours et Souchon qui parle. Bravo. Il y a pas si, non. Il y a pas si. Pas si. Voilà. Ah, c'était pas si. Ben il en reste plus que deux. Il y a Bruno Le Maire ? Non. Il nous en manque deux. Il y a Zouz Begag. Pierre, Pierre. Moi, j'avais trouvé Anne Sylvestre, j'étais fou de joie. Et puis, Vladipak, le petit usurpateur. Ça, c'est moi, ça. Beaugrand a trouvé avant vous. Je suis désolé, mon Pierrot. Alors, écoutez, on va donner les réponses. Florent Pagny, c'était bien lui et non pas Eddie Mitchell, c'est le Pierre. Bien sûr. On reconnaissait quand même. Clate d'amour. Ah bon. Sans être marié, The Voice, est un péché. Changer de veste, la peau de lézard. Pour le pape, Pierre Perret. Y a pas de soupape, jamais de cas. C'est celui d'après que vous n'avez pas identifié. Qui était le troisième? Si le pape la chope, la grippe. Jacques Higelin. Si le pape la chope. Chope la soupape. Jésus-Christ. Alors là, c'était bien Didier Super. Là, vraiment, fallait le trouver. Bravo, François René. Les paroles sont sympas. Je vais retourner sans capote. Je vais te montrer comment on fait du rap. Sébastien Coé. Qu'est-ce qu'il devient? Sur Énergie tous les soirs. Tu mets un bide dessus et ça donne ta démo. Le pape Paul Jean, lui non plus, ne prend pas d'argent. Passy, bravo, vous avez trouvé Passy. On arrête de stater les bions comme votre produit aux yeux. Anne Sylvestre, dont la voix est assez reconnaissable. Ah, ça, tu m'étonnes. Mais celui d'après, Pierre, il va vous en vouloir que vous ne l'ayez pas reconnu. Au rythme langoureux des douces vaillées. C'est Hugo Frey. Un simple touriste, un évêque. J'ai cru que c'était Benabar, moi. Se dorait au soleil sous son panama blanc. Lui, il n'était pas du tout doué pour être pape, puisque même une fois dans le sa monologue poche, d'Alain Souchon. Vous voyez, pour un pape, c'était foutu. C'était foutu d'avant. Qu'est-ce qui se passerait si. Et les fabuleux troubadours. Alors là, bravo. Bravo, Beaugrand, je dois dire. Bien joué. Allez, connaît Toulouse. Vous n'avez pas une petite chanson sur le pape vous-même, Serge Liado? Petite chanson flash, elle est un peu nulle, mais je vous la fais quand même. Allez-y. C'est bien, tu nous la vends bien, c'est pas d'habitude. Quand le pape et la papette se retrouvent au lit, il enlève sa jupette, alors la papeterie. Ah oui, ah, si, c'est alors, vous l'avez prévenu. La papeterie. Non, mais la papeterie. La papeterie. Ah, oui. C'est la différence entre mes chansons et les chansons de Francis Lalanne. Vous voyez, les miennes, elles n'ont pas le temps de faire chier. Europe 1, on va se gêner. Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, François Renucci et Mustapha El Atrassi qui triomphe au Trévise actuellement. C'est complet quasiment. Quasiment, quasiment. Ah, mais il reste toujours 200 ou 300 places à peu c'est près. C'est ça. Ah, le salaud. Quand on sait que la salle fait 150 places, non, c'est non, pas mal. Est, quand même. On est complet depuis le début, à quelques places près. Non, mais je sais que ça cartonne, je ça rigole. Ça cartonne. Mais c'est pour faire un mot. Mais oui, je sais. Ouais, bien. Mais c'est pas gentil, c'est toujours dans le même sens. Non, ouais. non, ça c'est cartonne. Vachement bien, c'est vachement bien. Et oui, nous on l'a vu. Moi je l'ai pas vu, mais c'est vachement bien. Moi je l'ai vu, monsieur. Moi je suis allé à Lyon le voir. C'est vrai. Moi aussi, jusqu'à Lyon. Même qu'on était ensemble. Ouais, exactement, Pierre. Enfin, on était ensemble. Céline et Bertrand, bonjour. Bonjour. Ah, Céline est au Mans, Bertrand est à Mazerolles dans les Pyrénées-Atlantiques. Céline, vous croisez Stevie de temps en temps?
Oui, oui, ça m'arrive, ouais. Je c'est l'ai vrai croisé. Où ça oui, à Leroy Merlin. Non, je l'ai croisé bah, en train de faire ses courses, hein, normal, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par en train de faire ses courses? Bah, il était au rayon des produits ménagers. Puis ah bah oui, c'est lui. Il parlait des composants nocifs, voilà. Donc, okay. On est la tête d'un vendeur, quoi, en fait. Il est aussi chiant dans la vraie vie que... Vous avez déjà parlé avec lui de l'histoire de la viande de cheval ou pas encore? Non, je le laisse tranquille, mais je pense que ça peut être un bon dossier. Je le connais parce que j'étais déjà à l'école avec lui. C'est pas vrai. Ah, vous avez arrêté au CP? Non, on était ensemble au collège. Il était comment au collège, Stevie? Arabe. Bah, il était un. C'était un caïd. Et un en gros fait, il a viril. Pas beaucoup changé, donc. Non, il a jamais été viril, donc. Mais vous étiez dans la même classe? Non, pas dans la même classe, mais on a fait notre scolarité ensemble. Mais il était un peu connu, c'était un peu la star de la cour d'école? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Ah. Non, il s'est bien rattrapé depuis. Mais ah oui. Et vous faites quoi aujourd'hui dans la vie, Céline? Je travaille dans une cantine scolaire. Dans une cantine scolaire? Bah, très bien. Ah bah, hier soir, vous avez mangé quoi, les restes de la cantine le soir? Non, mais c'est vrai? Je crois qu'on a le droit de ramener des restes à la maison, non? Non, pas du tout. Je crois que c'est déjà les restes qui servent, donc c'est un peu évité. Non, non. C'est les restes de chez eux, oui. C'est pas mauvais, mais moi j'ai mangé, non, c'était bon, c'était des tagliatelles avec une sauce aux tomates séchées hier soir. Oula! Mais que vous faites vous-même? Non, c'est mon ami. Céline, je vous présente Bertrand, qui est à Mazerolles, en Pyrénées-Atlantiques. Salut Bertrand. Bonjour Laurent. C'est en Charente. Qu'est-ce que vous faites là-bas, alors, dans la Charente? Je suis infirmier à domicile. Chez vous ou chez les autres? Chez les autres. Chez les autres. Ouais. C'est difficile, ça, comme métier, non? C'est pas tous les jours facile, mais c'est un très beau métier. Votre soirée d'hier, Bertrand, vous, c'était comment? C'était Top Chef. Ah, vous regardez Top Chef à la télé, en mangeant quoi? En mangeant des paupiettes. C'est bon, les paupiettes. Alors là, oui, attention. Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiettes. Des paupiettes de veau. Pam, pam. Voilà, on a rendu notre hommage à Gérard Rinaldi, puisque les Victoires de la musique, eux, ne l'avaient pas fait. Bertrand, Céline, vous allez peut-être partir pour le relais château Richelieu de l'île de Ré. Un hôtel magnifique. Avec évidemment l'art de recevoir, l'élégance, le raffinement de l'île de Ré. Au village de la Flotte, la piscine, la terrasse de cet hôtel vous attendent et votre chambre, cottage supérieur. Vous serez accueillis en demi-pension et vous goûterez évidemment les subtiles associations de saveurs que vous proposera le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel. Vous aurez en plus un forfait thalassothérapie découverte. Céline, Bertrand, attention, main sur le buzzer, voici la question. Ils étaient 72 500 sur une avenue de plus de 700 mètres hier. De quoi s'agit-il? C'est facile, ça. Fastoche. Là, c'est très facile. Hein. Va Ils étaient dépêcher, hein. 72 500 spectateurs sur une avenue de plus de 700 mètres hier. De quoi s'agit-il? Ils le savent autour de la table. Attendez. Dépêchez-vous. Est-ce que c'est pas à Paris? Oh non. C'est en province, ouais, à Marseille. C'est loin. C'est en grande province. Grande province, alors, on va dire, oui. Réfléchissez, 72 500 personnes. Oui, en sur une, sur, une, sur une avenue de plus de 700 mètres. Parce que ça va être dur, là, pour eux. Les Champs-Élysées, non. C'est un match de foot. Un match de foot. Ouais, 72 500 personnes. Bon. Même moi, j'aurais pas osé. Là ça fait 30 secondes, hein, déjà. C'est plus en plus. Bon, allez-y. C'est le carnaval de Rio. Le carnaval de Rio, évidemment. Enfin, Céline, Bertrand. C'est dommage. Rio do Brasil. Ah, c'était facile, hein. Bah, c'était facile, ça, quand même. C'était super facile. Mais j'avais révisé le pape et plein de trucs. Oh, j'ai révisé le pape. Ah, il y a besoin d'une bonne révision. Mais peut-être c'est pour ça qu'il s'est. Des futurs candidats à la succession, et voilà. Vous aviez appris par cœur les noms des possibles. Ça, c'était à 16h. C'était le premier challenge. Et paf, vous êtes tombé sur le challenge de 17h sur carnaval de Rio. Et vous. Est-ce que je peux me permettre d'embrasser Pierre Bénichoux? Oh oui, Céline, allez-y, je vous en prie. Bon, ben, je vous embrasse. Moi aussi, je suis ravi que vous m'embrassiez. Et on peut se faire ça de vive voix. Bah ouais, j'aimerais bien assister à votre émission, mais je suis déjà venue une fois, mais je reviendrai. Bah venez avec Stevie la prochaine fois, il fait des allers-retours.
Oui, bah, je le vois, mais bon, je vais peut-être pas non plus. Oh, si. Ouais, ouais, allez lui parler de notre part dans la rue. Vous écartez les quatre gardes du corps et vous arriverez. J'ai peur, j'ai très très peur. Moi aussi. Et vous arriverez jusqu'à lui. Oui, oui, oui. Non, mais il est très normal, vous savez. Et vous, Bertrand, alors, le carnaval de Rio? Oui, moi aussi j'avais regardé le pape, mais le carnaval. Oh, arrêtez avec le pape. Est-ce que je pourrais avoir des places de théâtre? Mais non, ah, ça a coupé. Ça va ruiner hein, mon théâtre, moi, cette affaire-là. Oui. Imaginez, il a quand même fait deux ça. Deux places pour aller voir Inconnu à cette adresse. Oh. Vous y allez quand? C'est ce mois-ci ou le mois prochain? La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oh, ce sera encore Gérard Darmon. Je vous aurais bien invité, mais c'est complet, moi. Et Charles Berling. Nous, à 19 ans, il nous reste quelques places. Non, il m'en reste aussi quelques-unes. Je sais que j'ai carté. Regardez-les, les coques. Vous pouvez même faire les deux dans la même soirée. Et le mois prochain, ce sera Jean Benguigui, Martin Lamotte qui joueront à Connu à cette adresse. Qui c'est qui fait le nazi? Dans le Figaro aujourd'hui, il y a une photo du quartier résidentiel de South Woodford au nord de Londres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? C'est le renard, non? On voit des renards. Oh bah bonne oui. Réponse de François Renucci. Les fameux renards. Je suis pas au courant, moi. Bah si, il y a du renard dans les Findus en Angleterre. Non, c'est horrible. Il y a des renards. Mais à Paris aussi, il y a des renards. Dans plein Londres, quand même. C'est ça qui était étonnant. Il n'y a pas de renards dans plein mais Paris. Si, si, si. Il y a des renards à Paris aussi. Au but de Chaumont et dans le Luxembourg, à Paris. Ah oui, ah oui. Il y a des renards. Ils s'approchent de plus en plus parce qu'ils ont faim. Ils vont fouiller les poubelles. Donc ils entrent dans la ville pour fouiller les poubelles. Dès que je suis à quatre pattes dans le bois de Boulogne avec ma nouvelle couleur, on dit tiens, il y a un renard. Et on se dit, il y a des renards. Et on se dit, elle a une portée, là, à mon avis. Il y a une ilet, éventuellement. Non, on se dit pas ça. On se dit, putain, il est balèze, ce renard. Mais là, on se dit, à mon avis. C'est le croisement entre un sanglier. Il a bouffé un éléphant. Il a bouffé un ours. C'est un sanglenard. C'est la Century Fox. C'est un renard. C'est un renard balèze. Il y a l'éléphant de chez Pinder qui s'est barré, les gars. C'est un gros nard. J'ai connu cette jeune femme, elle n'osait pas. On n'osait pas lui parler tellement elle était réservée. Maintenant, quand je suis à quatre pattes dans le bois de c'est vrai qu'elle a changé. Hein. Mais c'est curieux qu'elle ait dit ça. J'ai déjà vu les transformations. Mais je te jure, je verrai le pape. Bon, alors, chez Michou, ça m'étonnerait moins. Alors écoutez, je veux bien croire, j'admets, admettons, qu'il y ait des renards qui se baladent dans Paris et dans Londres. C'est vrai, puisqu'il y a une photo, on les voit. Mais de là, quand même, ce que je ne comprends pas dans cette histoire du bébé qui a été attaqué dans son berceau la semaine dernière, c'est que les renards entrent dans la maison. Enfin, je sais pas, il y a un renard qui rentrerait chez moi, j'ai l'impression que je m'en apercevrais quand même. Comme dirait Jean-Marie, imagine, il a le digicode. Tu montes et tu tapes à la porte. Non, mais il a fait genre, il vendait des encyclopédies. Vous comprenez en fait. Ce que je veux dire? Qu'il y a des renards qui se baladent dans la rue, qui aillent chercher dans les poubelles et tout ça. Mais qu'un renard entre chez vous, dans la chambre où il y a le berceau du bébé, c'est quand même déjà là, on arrive à un truc. Oui, c'est le sketch de la chauve-souris de Jean-Marie Bigard. En plus, ils sont très peureux en principe, les renards. Voilà, c'est la nuit quand il n'y a personne qu'on les voit. Ou alors, c'est quelqu'un volontairement fait rentrer ce renard dans son appartement, dans sa maison. C'est pas possible autrement. Alors, c'est quelqu'un qui maltraite son enfant qui a fait croire que c'était un renard. Non, parce que c'est vrai que c'est assez dramatique. C'est quelqu'un qui a une chatière, il est rentré par le truc pour le chat. Peut-être qu'il a miaulé pour faire genre c'était pas un renard. Ouais. Genre, je suis incognito. C'est Pierre. Fais le chat, Pierre. Il a été mordu sévèrement au visage, le bébé. Il a été opéré. Heureusement, il va mieux aujourd'hui. Mais enfin, quand même, moi, ça me paraît dingue qu'on laisse rentrer un renard chez soi. Voilà. Oui, mais enfin, ils n'ont pas fait exprès. Surtout un lundi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est... Il aurait pu venir avec une bouteille, au moins. Ça se voit, un renard. Mais oui, il a raison. Enfin, oui. C'est petit, un renard. Est-ce qu'on peut pénétrer chez toi sans que tu le saches? Tu vas nous le dire. Ah, moi, chez moi. N'importe qui peut entrer. Non, il faut pas. Il faut pas. Non. La défaite. Alors celle-là, elle est formidable. Il a abandonné. Il a lâché l'affaire en cours de route. Il s'est fait chier lui-même quand il parlait. C'est extraordinaire. C'est tout saoulé. Franchement, lui, non, là. Mais non. Il a non. fait demi-tour, le mec. J'avais la spécialité. J'avais la spécialité de ne pas finir mes phrases parce que ça me faisait chier. Maintenant, je les commence. Mais maintenant, ça fait chier. Regardez, vous riez quand même. Je dis non, il faut pas. Plus que quand tu finis tes blagues d'ailleurs. Le mec il est monté sur scène mais il est reparti tout de suite. Raphaël Galazzi, vous ne le connaissez peut-être pas encore. Il va sortir un nouvel album, Happy Mistake. La chanson c'est Don't Call My Name. Pianiste, chanteur italien. Voici sur Europe 1 Raphaël Galazzi.
Ce Coréen l'attendait sur Osso Togari ou Hara Higoshi, mais il ne connaissait pas encore son Ushimata. Ah oui. De qui parle-t-on ? Je vois, je vois. Oh, je laisse un peu les autres David réponses. David Douillet. C'est du taekwondo, non ? Ou du... David Douillet. Je sais pas. Non, c'est du judo. C'est Teddy Riner. Teddy Riner, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est le même qui a fait des UV, c'est pareil. Vous y êtes allé hier ? Non, alors je n'y étais pas parce que hier soir... Pardon, non, mais... Qu'est-ce que faisiez hier soir? Non, parce qu'il est rentré au Grévin. D'habitude, vous êtes toujours dans ce genre je sais, de sauterie. J'ai été invité, mais j'avais une autre sauterie en même temps. Mieux que celle-là encore. Ah, vous essayez de vous entraîner pour le plongeon alors? J'étais au plongeoir hier soir. Racontez. On fait les entraînements très tard. C'est de 23h à 1h du matin. À la piscine de Montreuil. C'est sûr que c'est pas un sauna. Hein. Tu t'es pas fait avoir. Non, c'était flippant. Moi, et alors, Daniel Evenou, comment elle va d'abord? Alors, je l'ai croisée. J'allais être en dépression nerveuse totale. C'est pas vrai. Ah, ouais. Ça va pas du tout. Ah bon, pourquoi? Elle me croise chaque fois. Elle m'envoie des textos en me disant: je suis terrifiée, j'ai peur, je vais jamais y arriver. Voilà. Donc, elle saute du combien, elle? Du 3 pour l'instant. Oh. Mais le truc, c'est que le 3 mètres, quand t'es dessus, c'est très impressionnant. Mais j'ai vu dans l'émission vendredi soir, c'est ridicule à l'antenne en fait. Et à vous, télé, et vous alors, vous allez sauter du combien? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'arrive qu'à sauter du 5. Non, en l'occurrence, j'en appelle à tous les auditeurs de me soutenir et de voter pour moi. Ah ouais, parce que vote, ouais. C'est la seule chance que j'ai, parce que je vais avoir des notes nulles par le jury. Mais si on parce que les téléspectateurs votent en plus. Ah bah évidemment. Il y a des cons que ça intéresse de voter pour ce genre de choses. Il y a eu énormément de votes même. Hein. C'est très bien. Il y a eu beaucoup de votes. Alors là, vraiment. Non, mais si on vote pour toi, c'est pour que t'ailles en finale. Donc c'est que t'as envie d'aller plus loin. Ça serait mais génial. J'ai pas envie de perdre juste. Après, je perdrai en finale. Mais j'aimerais bien être sélectionné quand même, parce que maintenant, j'ai eu plein. Mais quel est l'intérêt? Parce que je peux comprendre effectivement qu'on vote pour un chanteur à la Nouvelle Star ou des danseurs ou à la Starac, et ben on s'attache, ou des danseurs, parce qu'on se dit tiens, ils vont faire carrière, ils vont sortir un album, on s'attache et on se dit on veut le faire gagner. Mais voter parce que quelqu'un a bien plongé, je vois pas l'intérêt. Ah mais après une tournée des plages, il plonge partout tout l'été. On peut gagner 3 000 euros. Teddy Riner, lui, est rentré au Grévin hier et effectivement ce week-end il a remporté une nouvelle fois, c'est la 6e fois, le tournoi de Paris grâce à sa victoire en finale contre le Coréen Kim. Et là, c'est assez rigolo. Il dit: avec Kim, on se connaît bien. Il m'attendait sur Osso Togari ou Hara Higoshi, mais il ne connaissait pas encore mon Ushimata. Bah oui. Mais ça se trouve, il dit n'importe quoi. C'est fait et il a volé. Il paraît que ça a été très rapide. Hein. S'il peut placer son Ushimata. Non. Tout le truc, c'est de évidemment. Tout est là. Il faut faire un yatai tout de suite. Très vite. T'as fait du judo, Pierre, à l'époque? Non, je plus combat de rue, toi. Il était très mauvais. Il avait même pas de ceinture. Il avait une bretelle. Et un pyjama. Ceinture noire. Ceinture noire. Ceinture pied noir. Ceinture pied noir. Une autre question sportive, puisque dans l'équipe, on nous montre la photo d'Antonin Roland qui a gagné 2 étapes du Tour de France à Paris en 1952, une étape à Roubaix en 55, et il a même porté le maillot jaune pendant 12 jours en 1955. Mais pourquoi nous montre-t-on la photo d'Antonin Roland? Parce qu'il est cycliste. Oui. C'est pas idiot comme question. Est-ce que c'est justement pour son travail sur le vélo qu'on le voit encore en photo aujourd'hui ou pour autre chose? On le voit en photo à l'époque où il était cycliste. D'ailleurs, on le voit même, c'est mignon, dans les bras d'Yvette Horner. À l'époque ou maintenant? Dans les bras. À l'époque, ouais. Est-ce qu'il est encore en 55. Est-ce que le monsieur est toujours en vie? Et il est entraîneur, c'est le plus vieil entraîneur de vélo de France. Non. C'est l'entraîneur de Jeannie Longo. Ouais. Non. Et on le voit avec une photo de l'époque. Vous n'êtes vraiment pas malin. Si vous écoutiez bien les questions, mais je vous jure que la réponse fuserait alors. Mais ah, facile. Allez-y. Ça a un rapport avec Thierry Roland? Bien sûr que non. Thierry Roland. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas bête, hein. Vous frôlez. Et la question, c'est quoi déjà? Pourquoi on reparle de lui dans la presse? Il est en photo, dans les bras d'ailleurs d'Yvette Horner. Dopage, pour dopage en fait. On a découvert beaucoup plus tard qu'il s'était dopé. Non. Il est devenu prêtre et c'est le futur pape? Du tout. Il chasse des renards, d'où Yvette Horner? Non. C'est lui qui a posé pour le zouave? Ah, vous étiez mais à deux doigts de trouver la bonne réponse, Caroline. Antonin Roland est dans la presse aujourd'hui. Est-ce que c'est pour lui ou c'est pour quelqu'un? C'est pour quelqu'un d'autre, on le voit. Oui, on le voit pour quelqu'un d'autre. Oui, ah, par rapport à son fils. Non. À son petit-fils, alors? À son petit-fils. Non. À son neveu. Sa fille. À sa fille. Sa fille. Marion Roland. Pardon? C'est le grand-père de Marion Roland. C'est le grand-père. De ski, la championne de ski, Marion Roland. Bonne réponse de François Renucci. Aïe, une lignée de sportifs. Et on l'a vu à la télévision hier. Alors pourquoi vous dites pas? Parce que je savais pas que c'était lui, un petit mec très sympathique
avec une femme adorable. Des Français, quoi, des gens merveilleux. Une Française de 30 ans qui est devenue championne du monde. Son grand-père était champion cycliste. Ah, quand je vous ai dit Roland, ça aurait dû quand même... Oui. Vous voyez pourquoi vous étiez tout près. Bah oui, c'est vrai que j'étais pas loin, parce que j'ai tout de suite pensé, effectivement, à un homme. Elle pensait à Roncevaux, quand on dit Roland. Elle a Antonin Roland, le grand-père de Marion Roland, la championne de ski. Dans un instant, c'est l'invité d'honneur qu'il faudra découvrir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue. Merci. Je crois que c'est votre première fois dans notre loge. Absolument. Vous êtes bien installé ? Bonheur. Alors, je suis obligé de vous rappeler les quelques règles indispensables au bon déroulement de notre jeu. Vous devez répondre par oui, par non ou par des phrases courtes quand le oui et le non sont impossibles. C'est parti, mes camarades vous interrogent. Homme vous ou êtes... femme ? Femme. Homme. Un bel homme, hein, plutôt gaulé ? Ouais, c'est ce qu'on dit. Ah, ça veut dire... Est-ce qu'on vous a proposé, est-ce qu'on vous a proposé de participer à Splash, le grand plongeon sur TF1 ? Non, jamais d'avis. Vous l'auriez fait ? Jamais d'avis. Est-ce que vous portez les cheveux longs ? Milon. Milon. Ouais, est-ce que vous êtes brun ? Oui. Vous êtes drôle ? Je pense pas. Est-ce que vous êtes poilu ? Non. Est-ce que vous êtes venu en moto ? J'aurais pu, mais non. D'accord, donc vous êtes motard, mais aujourd'hui, c'était pas raisonnable. Absolument. Vous habitez Paris ? Oui. Est-ce que vous êtes né à Paris ? Non. Est-ce qu'on connaît votre région d'origine ? Oui, mais c'est pas bien important. D'accord. Est-ce qu'on a des posters de vous, les gamins, ont des posters de vous dans leur chambre ? Peut-être. Ah, c'est possible. Vous êtes un peu l'idole des jeunes, la nouvelle idole des jeunes ? Peut-être dans un domaine précis. C'est pas quelqu'un, on va dire, qui, dont il y a des posters dans toutes les chambres des jeunes. Vous c'est voyez. Pas un boys band. Voilà. Faut être fan pour avoir. Voilà. Est-ce que vous avez des tatouages ? Non. Vous avez des fans. Est-ce que vous avez un fan club ? Je ne pense pas, mais j'ai quelques fans. Quand même. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Oui. Twitter ? Plutôt Facebook. Est-ce que vous avez beaucoup de followers ? Non, il est pas sur Twitter. Pierre. Il a des amis éventuellement sur Facebook. C'est bien tenté quand même. Non, mais t'as essayé. Est-ce que pour une fois où je me suis dit tiens, je veux placer followers. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue, invité ? Oui. Est-ce que vous parlez plusieurs langues étrangères ? Oui, mais c'est pas bien important. C'est okay. Pas bien important. Vous pouvez pas sur un autre ton. Ouais, on vous demande pas de juger ce qui est important ou pas. Ah bah quand même, ça peut vous être utile, non ? Non, il veut dire que c'est pas important surtout, pour le retrouver. Surtout en voyage. Oui. Est-ce que vous avez... Mais même dans votre métier, ça peut vous être utile. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que pour découvrir mon identité. Ah, ça, non. D'accord. D'ailleurs, est-ce que vous êtes connu à l'international ? Oui. Ah, bah alors c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup quand même. J'imagine que vous utilisez votre corps dans votre travail. Plutôt mes mains. Est-ce que vous avez déjà croisé Caroline Diamant dans le bois de Boulogne ? En la prenant pour un renard obèse. Je n'y ai jamais. Un renard géant. Quelle relation vous avez avec la musique ? J'en ai tout le monde, je pense, j'aime la musique. Est-ce que vous utilisez votre voix dans votre métier ? Non. Voici un premier indice qui peut-être va vous mettre sur une piste. Est-ce que ça vous aide, cher camarade ? Tellement pas. Absolument pas. Vous invitez, vous reconnaissez ? Moi-même, je ne comprends pas, mais... Je vous expliquerai tout à l'heure. On dirait une espèce de musique lounge, un peu, comme ça. Eh, c'est pas bête, ça. Bravo. Est-ce que c'est pour nous mettre sur la piste d'un DJ ? Non. Bah, d'abord, c'est pas à moi de poser, de répondre aux questions. C'est vrai. Non, mais lui, il a pas compris. Est-ce que vous sortez en boîte de temps en temps ? Pas vraiment, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc, hein. Vous aimez bien ce genre de musique qu'on vient d'entendre ? Ah. Est-ce que vous avez fait de longues études ? Non. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Est-ce qu'on connaît votre épouse ? Oui. Ah, elle est connue, elle exerce un métier... Moi je la connais pas, pardon. Elle est un peu connue. Elle a le même nom de famille que vous ? Je suis pas capable de vous aider car je ne connais pas l'épouse de monsieur. Bah, il va nous dire qui c'est. Est-ce qu'on vous voit... Mais je vais lui poser la question après, ça m'intéresse. Bah, oui. Est-ce qu'on vous voit régulièrement dans la presse People ? Un tout petit peu. Quand même. À votre insu ou par choix ? Non, à mon insu, mais c'est vraiment... C'est assez rare. Vous êtes sportif ? Non. Alors voici un indice de plus qui va vous mettre sur une piste, peut-être. T'es tout seul, tu peux plus supporter ni ta gueule, ni les gueules d'à côté. T'es tout seul,
t'en as marre du bourdon des tilleuls, de ta vie de garçon. Alors tu envoies une un beau soir qui te tue à te foutre l'espoir, à te faire des appels de bonheur, c'est le feu vert. Là, c'est le titre de la chanson qui pourrait vous aider. Une chanson de Serge Reggiani. Si vous en découvrez le titre, vous faites un grand pas sur la piste de notre invité. Est-ce que vous êtes seul dans l'activité que vous avez ? Non. Notre amie Caroline Diamant propose Jean-Félix Lalanne. Êtes-vous Jean-Félix Lalanne ? Malheureusement, non. Non. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie d'un groupe ? Non. Vous êtes connu avec quelqu'un d'autre ? C'est un binôme ? Non, il est connu sur son seul nom. Pierre Bénichoux est en train de s'écrouler sur la table. Non, vraiment pas du tout. Écoute, tu me dis ça à chaque fois. J'essaye de retrouver l'orthographe de quelqu'un. Ce qui est génial, c'est qu'il a la tête qui tombe, il a besoin d'avoir le nom proche de la feuille. J'essayais de retrouver l'orthographe. C'est peut-être ce qu'on appelle l'écriture intuitive. J'étais arrivé à faire B-E-N-I et je ne trouvais plus le reste. Bon, vous voulez un autre indice? Un autre indice, voilà. Est-ce qu'on peut avoir comme ça, on verra encore moins ce que c'est. Merci. Quand je me balade le samedi soir, je suis champion du monde. Je lorgne tout ce qui est à voir, les cinémas, la foule, les petites poules, je me sens le cœur plein d'espoir, comme un champion du monde, et je m'amuse de tout être bien, j'ai l'impression. Ça c'est pas mal comme indice, hein. Allez, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quand je me balade le samedi soir, je suis champion du monde. Je lorgne tout ce qui est à voir, les cinémas, la foule, les petites poules, je me sens le cœur plein d'espoir, comme un champion du monde. Ça c'est un bel indice, invité, vous êtes d'accord ? Absolument. Si bien que Caroline Diamant me propose, ça va de soi, Brahim Asloum. Êtes-vous Brahim Asloum ? Non, je ne suis pas Brahim Asloum. Est-ce que vous êtes champion du monde de quelque chose ? Oui. Ah, d'accord. Bah oui, attends. Il n'est pas sportif, on a dit tout à l'heure. Ouais. D'accord, donc vous utilisez plutôt votre cerveau pour gagner ce championnat du monde ? Pas vraiment. Un peu aussi, quand même. Un petit peu, bien sûr. Est-ce qu'on considère ça comme un sport ? Est-ce que cette discipline est très bien représentée par des Français ? Absolument. Alors, du monde. Très bien. Oui, non, mais est-ce que quelqu'un, pas le seul, quoi. Est-ce que votre avis, autour de cette table, parmi les gens qui vous interrogeront, quelqu'un pratique cette discipline ? Sans être à votre niveau. Alors hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans avoir un entraînement particulier, c'est ça ? Je pense que Caroline Diamant, à sa façon, pratique cette discipline. Oh, de le régime. Van pourri. Alors. Champion du monde de régime. Ouais. C'est rien de mal. Quand je vais savoir, ouais. Quand je vais savoir ce que vous faites, c'est là que je vais savoir si. Voici un autre indice. Cette chanson, notre ami Christophe Beaugrand, qui en connaît le titre de cette chanson. Ah oui, que ça aide de connaître les chansons. C'est quoi, c'est eh bien, Zazie? Christophe Beaugrand a identifié notre invité. Ok, c'est une chanson de Zazie. C'est une chanson est-ce de Zazie. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre? Ah bah non. Vous plaît. Moi je dis rien. Hein. Alors est-ce que le titre, est-ce que dans le titre il y a le prénom de notre invité? Non, mais le titre vous donnerait évidemment le métier. Non, mais un gros indice pour identifier alors, qui est dans la loge. Est-ce qu'on peut dire que votre métier? Vous êtes champion du monde, mais est-ce que vous êtes champion du monde dans une catégorie qui vous permet de vivre sans faire autre chose ? Est-ce que vous avez compris la question ? Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans votre discipline ? Non ! Ça veut dire, est-ce qu'il vit du fait d'être champion du monde ? Bah oui, parce que... Oui, on peut dire oui. Oui. D'accord. Les gamins ont envie de faire comme vous ou pas forcément ? Est-ce que vous... oui. Ah oui, d'accord. Alors voici un indice de plus. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ah, ça m'énerve.
m'énerve. Ça m'énerve. Helmut Fritz. Vous êtes souvent énervé? Oh là là, je vois des propositions là de là, noms ça qui pleut. Eh oui, qui pleuvent. Bravo, François Renucci. Et alors là, bravo, oh, Caroline Diamant. Ah, je ne sais pas où elle est allée chercher celui-là. Oh, elle dit quoi, elle dit quoi? Gunther Love. Le champion de air guitar. Il aurait pu être champion du monde, champion du monde de air guitar. De air guitar. Il y a un peu de Gunther Love. Oh, excusez-moi, moi je cherche. Non. Ils sont deux. Ils sont deux à avoir identifié notre invité pour l'instant, François Renucci et Christophe Beaugrand. Un autre indice. Sans ça, ses yeux me lançaient des éclairs. Et si souvent je recevais des tartes, il me disait : c'est bien fait pour ton blaire. Ça, c'est facile comme indice. Ah oui, c'est même. Un bel indice. On peut pas faire plus. C'est un bel indice. Attendez, moi j'ai pas trouvé votre discipline. Non, ça je comprends alors, rien. Votre discipline, est-ce que elle nécessite un entraînement très intensif avant de la faire? Ou est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Non, pas forcément. un peu quand même. Hein. Est-ce que vous avez des homonymes célèbres? Oui. Jérémy a trouvé. Bravo, ouais. Jérémy. Priori, ils sont trois à avoir identifié notre invité. Est-ce que j'ai une chance de trouver? Je pense. Ah bah moi, j'ai une chance. Non. Voici un indice de plus. Quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. 23 ? Non, c'est pas Monseigneur 23. Caroline pense que c'est Monseigneur 23. On est qui travaille beaucoup avec ses mains. Ah, oui. Ah bah oui, quel champion du monde. Demande aux enfants de Caroline, Pierre, Mustapha, écoutez cet indice. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains. Caroline, j'ai envie que vous trouviez le nom alors. Okay, ça alors. N'est pas Cyril Lignac. Écoutez cet indice. Prête-moi ton joujou. Oh baby, prête-moi ton joujou. Moi je l'ai. Prête-moi ton joujou. Oh baby, prête-moi ton joujou. Ça y est, à part Pierre Bénichou, mais de toute façon c'était pas espéré. Notre invité d'honneur c'est Christophe Michalak. Vous croyez que c'était le rugbyman? Je savais que c'était le pâtissier. C'est Christophe. Mais je me suis trompé. Christophe Michalak, le pâtissier, notre invité d'honneur. C'est le champion du monde des pâtissiers, Christophe Michalak. Bravo. Qui est notre invité aujourd'hui. Vous n'êtes plus champion du monde en titre, hein, il faut quand même le rappeler. Non, j'étais champion du monde en fait en 2005. Ah merde, bah tu repars alors. Ouais, mais alors c'est comme ministre, on reste champion du monde, c'est ça? À vie, ouais. Ouais, c'est exactement. Bah oui, t'as eu le titre. C'est normal. Ce qui quand même a permis de vous faire connaître ce titre. Écoutez, pas vraiment, parce que je pense qu'une carrière, ça se travaille tous les jours. Mais bien évidemment, c'était un spot important dans ma carrière. Mais c'était contre qui en final? Le plus important, c'est de garder. En finale, c'était contre qui? Il y a 20 pays à l'époque. Oula. Voilà, et on représente. 20 pays? Non. Le commentaire Pierre Bénichou. Le mec qui sort du blackout. Faut qu'on rassure notre invité. Pierre dort toujours dans la dernière partie de l'émission. De temps en temps, il se réveille comme ça. Rien de personnel. J'ai vu dans la loge. Ah, comment ça va? J'ai même pas qu'il était là. J'ai pris les sucreries pour les bons élèves. Hein. Ah, ça c'est bien. Il arrive jamais les mains vides quand même. Ça c'est formidable. Bah, d'abord, il arrive avec un très joli livre, Le gâteau de mes rêves. C'est aux éditions M6 et Teva d'ailleurs, puisque vous travaillez sur la chaîne Teva. Vous avez une émission qui porte le même nom d'ailleurs. Le gâteau de mes rêves. Bah, le gâteau de mes rêves. Et c'est vrai qu'alors dites donc quand on ouvre, moi qui aime bien les livres de cuisine. C'est alléchant. Ah là là, le délice à la noix de coco, tartine. Une framboise rhubarbe, et comme par hasard je tombe sur la rhubarbe que j'adore. Moi, je suis un fou de la rhubarbe. On n'en mange pas assez d'ailleurs. Ah ouais, c'est non. Trop bon. Ah, ça, je vais essayer ça. Je le fais ça déjà. Oh là là, le parfait givré noir, salade d'orange sanguine. Ah, oui, ça c'est bon. Le chocolat noir avec l'orange, c'est une merveille. Le riz au lait au caramel, bord de sel. Ah, ça doit être bien ça. Bon, j'adore quand il arrive dans une émission, les candidates, quand elles le voient arriver, sont absolument mais oui, extasiées à cause de son talent gosse, hein. Et à cause de son physique. Vous faites le gâteau glacé?
Du gâteau. Non, ce qu'on appelle le gâteau glacé, c'est un gâteau avec. Il va t'apprendre une recette là, écoute bien. Avec, c'est un gâteau avec de la. Avec la crème fraîche, comme il y en a qu'en Espagne, tu avais la nata. Non, tu maîtrises pas, parle de corne de gazelle. Ah oui, la nata, c'est plutôt Portugal. Tu fais les loups. Tu fais les baklava. Il le faisait dans un. Il le faisait rue du Château d'Eau chez. Le Harbelouse. Non, c'est un. Chez Tolonia. Chez Tolonia, très grand pâtissier d'ailleurs. Très grand pâtissier, Tolonia. Absolument. La mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ne le font plus maintenant. La mauvaise nouvelle du jour, c'est de savoir qu'il est marié quand même. Tolonia ? Bah oui. Et surtout, qui est sa femme ? Moi, je ne connais pas votre épouse. Alors, vous ne connaissez pas mon amoureuse ? C'est Delphine McCarthy. C'est une humoriste. Ah oui, absolument. Je la connais, mais je ne savais pas que c'était votre compagne. Oh, bah, ils sont beaux tous les deux. Mais si vous avez apporté des cadeaux, il est peut-être temps de les sortir. Oui, parce que. Il y en a qu'on l'a derrière. Quand je disais que Caroline Diamant était à sa façon championne du monde des pâtisseries, elle, c'est en tant que cliente, évidemment. Oui, c'est ça. Ah oui, on n'avait pas compris. Je pensais que Jérémy allait trouver tout de suite. Non, j'ai mis du peu. Bon, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Votre homonyme, Jérémy Michalak, est plus en forme que votre autre homonyme, Frédéric Michalak, qui lui a quelques problèmes avec son équipe de rugby. Vous faites des réunions de Michalak Non. Alors, ça fait 3-4 fois qu'on se voit déjà avec Jérémy, ouais. Et j'ai fait une émission avec le gâteau de mes rêves avec Frédéric. Bon. Et c'était un pur bonheur. Qu'est-ce que c'est bon, c'est incroyable. C'est vous qui avez fait ça? Ouais. Non, absurde. Il les a achetés chez Auchan. Je suis sûr. C'est Picard, ça, je les reconnais. Ouais. Non, mais ça, c'est une saveur un peu orientale. Une noisette fleur d'oranger. C'est fondu, c'est de la viande de cheval. Non. Il est Picard, notre invité. Oui, et oui. Mais pas pour le surgeler. Mais on voit tout de suite qu'il est Picard. Vos brownies. Vous, celui-là, il est fou. Voilà. Non, c'est pas un brownies, ça. Cookie. C'est un cookie. C'est un cookie, ouais, c'est bon. Encore une fois, ce sont des financiers, des cookies. Ce sont des choses très simples, mais ce sont souvent les choses les plus simples qui sont les plus dures à faire. Jérémy, notre Michalak à nous, est d'origine polonaise, j'imagine. J'imagine que c'est la même chose. J'ai vu que vous étiez d'origine italienne. Oui, en fait, alors moi, c'est mon beau-père qui m'a reconnu qui était d'origine polonaise, mais ouais. Ma maman est d'origine italienne. Ah, voilà. Michalak, ça fait assez peu italien quand même. Étonnamment. Oui, on peut y avoir un Michalak en Italie. Non. Il y a eu une immigration polonaise partout. Pierre, il parle plus facilement à la bouche. Il parle beaucoup mieux. Il faudrait que tu mâches tout le long de l'émission maintenant, les trucs. Mais il faudrait quand même pas inviter des mecs qui vous donnent à bouffer. Après, les gens qui vous donnent à bouffer. Le gâteau de mes rêves, on en reparle. C'est signé Christophe Michalak. Alors là, pour avoir les meilleurs desserts et épater vos amis quand vous les recevez à la maison, notre champion du monde de pâtisserie reste avec nous jusqu'à 18h. Christophe Michalak publie le gâteau de mes rêves chez M6 Édition et vous pouvez le retrouver chaque dimanche à 11h sur Teva avec cette émission du même titre, le gâteau de mes rêves, et aussi votre best-of qui est publié chez Alain Ducasse Édition. Absolument, qui va sortir bientôt. Il faut dire que vous travaillez un peu chez Ducasse puisque vous êtes, on va dire, chef dessert, comment on appelle ça d'ailleurs exactement? Je suis responsable du sucré du Plaza Athénée. Au Plaza Athénée. Comme moi ici. On est voisins. Et d'ailleurs... La première musique. C'est la musique du Plaza. Alors, bravo pour les indices, hein, parce que moi le premier j'avais pas compris. Hein. Ah, c'est la compile. C'est la musique du hall. C'est la musique lounge du Plaza Athénée. Ah, comment tu veux qu'on reconnaisse ça? Non, mais vous pensez que je suis une pute et que je passe mon temps dans le hall des hôtels? Bah, ce serait mieux qu'au Bois de Boulogne. Je te rappelle que tu nous as raconté des trucs quand même. Le deuxième indice. Tout seul, tu peux plus supporter. C'est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle La tarte à la crème. Ah oui, mais d'abord. T'es tout seul. T'en as marre du bourdon. Yves Montand, ça c'était facile, champion du monde, mais encore fallait-il trouver de quoi? C'est ce qui vous a mis en difficulté. Là où Christophe Beaugrand est très malin, c'est qu'il a reconnu évidemment la chanson de Zazie. Sucré salé. Sucré salé. Mon bébé. Sucré salé, voilà ce qui a mis Christophe sur la piste de l'autre Christophe Michalak. Fernandel chantait c'est du gâteau. Sans ça, c'est des éclairs, des tartes. C'est des éclairs. Et si souvent je recevais des tartes. Ah oui, il y avait tous les gâteaux. Il me disait, Céline Dion, c'était la religieuse qu'elle chantait. Mais c'est là que t'as dit Monseigneur 23, tu sais. Ah oui. Ça aurait pu. C'était pas loin. Et oui. Les macarons d'Helmut Fritz, évidemment. Bah, oui. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est la combine? Tout ça pour des macarons. Vous avez travaillé chez La Durée. Effectivement.
Pendant combien de temps vous êtes? Deux ans. Pendant deux ans, ça c'est une... De quoi savoir faire les macarons. Quelle question vous vouliez poser, cher Pierre Bénichon? Non, quelle combine hein, dans les vos cookies? C'est-à-dire, c'est un cookie comme les autres, pourquoi il est tellement meilleur? Ah, il déchire sa mère, le cookie. J'en profite, je vais vous raconter ma vie. Non, racontez ça, parce que qu'est-ce que vous mettez que en plus en France... ou en moins d'un alors, truc qu'on achète dans les boulangeries? On peut être fier en France, je pense qu'on a vraiment le domaine artistique premier dans le monde de la pâtisserie, mais on ne sait pas faire les gâteaux des autres pays. Et le cookie français en général est beaucoup trop sec et vraiment pas intéressant. Eh oui, parce que là, il est moelleux là, à l'intérieur. Absolument. Ça, et en fait, ça. Tout simplement, je travaillais à New York et je regardais leur façon de faire. C'est un mélange lambda de sucre, de cassonade, d'œufs, de farine et de chocolat. Mais ils nous font des énormes grosses boules de pâte crue. Et cette boule de pâte crue, lorsqu'elle cuit, en fait, elle s'affaisse tout doucement et elle reste croustillante sur les côtés et extrêmement moelleuse à l'intérieur. Ah. Et ça, c'est la force d'un vrai bon cookie. Vous voulez dire pâte. Que nous, en d'accord. France, on les étale dès le début? En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris lorsque j'ai commencé mon métier. On essaie de bien faire, de mieux faire, mais finalement, parfois, il faut aller à l'origine. Vous vouliez être dessinateur au départ? Oui. Et finalement, vous avez fait de la chambre des métiers à Angers, où vous avez passé un CAP de pâtissier là-bas. Absolument. Donc, ouais. Avec un CAP, on peut devenir champion du monde de pâtisserie. Oui, mais je pense que tout métier confondu, d'ailleurs, quand on a envie de bien faire, on peut arriver à tout faire, quoi. Et vous êtes passé par la chaîne Hilton à Londres, à Bruxelles, l'hôtel Negresco à Nice, puis Fauchon à Paris, puis Kobe au Japon. Vous avez travaillé au Japon? Oui, une année. Et vous avez quel âge? 39 maintenant. Ah, ouais. 39 ans? Mais vous goûtez ce que vous faites? Oui. Et mais je me fais pas vomir. Il est à peu près gaulé quand même, donc il doit pas en goûter des masses. Non, de si, non, non, mais ceux qui me connaissent bien savent que je suis vraiment, j'ai un vrai problème de boulimie. Je suis hypoglycémique en même temps, donc ça m'aide. Hein, mais j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. J'y reviens tous les jours. Alors, tous les soirs, j'ai envie de vomir. C'est un peu comme une drogue. Hein. Je ne bois pas, je fume pas. Par contre, ma vraie drogue, c'est le sucre. Le moi aussi, je me réécoute en podcast au moins 10 fois le soir. Est-ce que vous êtes sucré comme goût? En fait, je suis très sucré. Ouais. Vous ne pouvez pas manger jamais, enfin, manger rarement un sandwich au jambon ou un truc comme ça, vous préférez. Si, non, mais bien évidemment, si, ça m'arrive, j'adore la gastronomie, mais je suis. J'ai bien trouvé ma voie, en tout cas, en restant. Mais non, parce que c'est vrai que. Non, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est. Ça fait une bonne interview, ça. Et vous mangez jamais. On connaît le nouvel obstacle. Mais non. Parce que vous êtes bête. Il y a des questions incroyables. Vous mettez des pépites de chocolat. Parce que vous êtes con, même. Chef pâtissier de l'hôtel Plaza Athénée à Paris, Christophe Michalak sera aussi dans le jury d'une émission cet été qui s'appellera La Revanche des pâtissiers. Sur France 2. Et c'est absolument. Ma consoeur Virginie Guillaume qui animera. Ma meuf, qui animera cette Revanche des pâtissiers. Vous serez aux côtés. Alors, des pâtissiers dont je ne connais pas le nom, le chocolatier Pierre Marcolini. Absolument. C'est un bon. Une sommité dans le domaine. Et Christophe Adam, qui lui, vous a succédé chez Fauchon en quelque sorte. J'ai pas travaillé. Non, on travaillait ensemble. On était commis d'ailleurs. On était très jeunes commis ensemble. Et Christophe est resté, a pris la suite de Fauchon et a maintenant ouvert sa propre boutique. Une émission de cuisine sur France 2 cet été, La Revanche des pâtissiers. Mais ce qui compte aujourd'hui pour Christophe Michalak, c'est son livre. Est-ce qu'il y a vos spécialités? J'ai vu sur Internet. Vous allez me confirmer si c'est vrai que vos spécialités c'était, alors attendez, la religieuse au caramel beurre de sel. Elle est dedans. Très facile à faire. Elle est pas dedans, mais elle sera dans le best-of Ducasse. Les macarons pêche Melba. Oui, alors c'est marrant. Mais moi j'ai sorti ça en 2000-2002 et puis voilà, c'est devenu un vrai succès. Quand j'en faisais en 2000. Hein. Et les bisounours, ça je sais pas ce que c'est, les bisounours en guimauve. En fait, vous savez, moi je suis un enfant de la malbouffe, je mangeais ça quand j'étais petit, vous savez, les petits bisounours. Les petits nounours en guimauve. Je les ai revisités, on va dire, à la fraise, à la fleur d'oranger et au chocolat au lait. À travers une décoration un peu rock'n'roll. Oh, dites, c'est bizarre, c'est quoi ça, le tchak-tchak d'Ouzbékistan? En fait, j'adore scanner le monde, j'adore goûter ce qui se passe à côté, il y a plein de bonnes choses à manger et j'ai des conseils dans une grosse boîte en Russie qui fait plein de choses, et notamment ce dessert d'Ouzbékistan qui est, on dirait, des bugnes en fait, qui sont frits et ensuite liés avec un miel et un peu de sésame, et c'est très léger. Intéressant. Mais c'est très rapprochant du tchak-tchak de je l'adore. De Yougoslavie, non comme... Ah, bien sûr. Pierre, je ne vais pas vous l'offrir parce que je le garde pour moi. Ah oui, parce que moi, au moins, vous faites. Ce livre de dessert, Le gâteau de mes rêves, Christophe Michalak, aux éditions M6. Merci à vous d'être passé nous voir avec tous ces gâteaux en plus. À demain, 15h30.